On va commencer, si vous êtes d'accord. Écoutez, bonsoir à vous toutes et tous. Nous allons commencer donc ce conseil municipal pour la première fois dans la salle de l'hôtel de ville. Avec l'autorisation du préfet, nous avons eu un échange suite à la mise en œuvre d'une deuxième confinement un peu plus souple que celui que nous avons vécu ensemble au printemps. Et puisqu'on a une salle, ce qui n'est pas le cas de toutes les mairies, une salle du conseil qui nous permet d'être quand même relativement à distance avec le masque, des produits pour se laver les mains, sans public, et ce pourquoi on a une salle plus grande, et du coup nos élus au fond sont un peu loin. Mais c'est dans ces conditions que l'on pensait qu'il était mieux de se réunir dans l'hôtel de ville, en sachant, sachez-le, que ce conseil est retransmis en direct sur les réseaux, de sorte que le public qui ne peut assister peut au moins nous suivre chez eux. Dire que aussi l'horaire de 17h30 est un coup parti suite au couvre-feu en lien avec la préfecture et que à l'avenir, il sera de nouveau à 18h30, toujours dans cette salle, puisque 17h30, c'est trop tôt, mais c'est un coup parti qui tenait compte du couvre-feu. Nous ne sommes plus en couvre-feu, mais en confinement. Donc, on a bien compris qu'il y a des gens qui travaillaient parmi la minorité et la majorité. Et donc, voilà, on essaie de s'adapter au confinement et aux mesures sanitaires. Voilà, je fais l'appel des présents. Michel Noaille, présent. Martine Soavi, présent. Oumar Dramé, il n'est pas arrivé, il arrive, d'accord, on verra. Elsa Touré, présent. Reynald Jourdain, présent. Assa Doucouré, et a priori excusé, en tout cas elle n'est pas là. Frédéric Piau, Frédéric est en conseil d'administration du collège de la Nacelle, Chantemerle, pardon, Safia Louz, présent, Oscar Segura, présent. Fadila Chourfi, présent. Merci, Pierrick Gautreau, je le représente. Et tu le représentes, conseil d'école, il arrive, Italia Rigia, présente, Sylvain Renard, présent. Pascal Prigent, présent. Hichem Boukouba, présent. Françoise Lopez, présent. Frédéric Bourges, présent. Hélène Pavamani, présent. Elle arrive, Jacques Picard, présent, Sylvie Dayani, Monia Aïssa, Clotaire Banzi, merci, Daniel Leguet, Alama Djellad, présente, Hervé Jacques, merci, Francis Arnoux, je crois qu'il est encore au travail, il devrait nous rejoindre, Claire Jubin, merci, Diana Dos Santos, merci, Fatima Lallemand, je ne l'ai pas vu. Conseil d'administration Chantemerle. Maxime Podolac. Présent. Merci. Clémence Bigarnet, présente. Benjamin Le Droumaguet, je crois qu'il est encore au travail. Jenna Kinkela, présente. Animalite, absente. Pascaline Vandenhead, présente. Frédéric Garcia, absente. Sylvie Capron, présente, Jean-François Bell, présent, Éric Breton, merci, pouvoir, donc pour Pascaline, Volcan Ekut, présent, Samira Ketfi, elle a un pouvoir, merci, Alexandre Marin, il devrait arriver en retard s'il peut, je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, Régis Caudron,
Jean-Luc Raymond. Voilà, merci. Le quorum est atteint. Il n'y a plus de 23 élus présents. Je propose que Rénal Jourdain soit notre secrétaire de séance. Voilà. Rénal, je fais approuver le compte-rendu du conseil municipal du 28 septembre. Y a-t-il des remarques? Allez-y, Madame Capron. Je voudrais juste revenir sur les différentes commissions. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une erreur sur la commission affaires scolaires, puisque lors du dernier conseil municipal, nous avions dit que ce serait M. Éric Breton en titulaire avec Mme Vandenhead suppléante. Or, il y a une erreur puisque c'est moi qui suis nommée, Mme Capron et Mme Vandenhead. Pourrait-on faire une rectification? Oui, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, ou faut-il passer une délibération? Je ne sais pas. Pardon? Merci de corriger. Oui, du coup, on la prendra, mais peut-être ça nécessiterait une nouvelle délibération. Mais il n'y a pas de problème sur le fond, d'accord? Sylvain, vas-y. Non, je pense en effet qu'il faut une nouvelle délibération, mais on pourra le faire la prochaine fois pour répondre à votre demande. Hein. Il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Très bien. À part cette remarque justifiée, y en a-t-il d'autres? Non. J'ai vu arriver deux élus, Oumar Dramé et M. Breton, je crois. Bienvenue. Et Hélène Pavabani à l'instant. Très bien, merci. S'il n'y a pas d'autres remarques, qui s'abstient sur le compte-rendu? Qui est contre? Alors, attendez, M. Bell, abstention? Abstention. Vous avez un pouvoir, M. Bell? Un pouvoir certain, mais un pouvoir ce soir. Pardon. Alexandre Marin, le pouvoir d'Alexandre Marin. Très bien, merci. Il n'est pas sûr. Ah. Alors, si quelqu'un est-il sûr que M. Bell ait le pouvoir? Vous l'avez reçu au cabinet. Ah, on l'a reçu. Bon, donc on l'a alors. On va vérifier. Merci. Donc, tout le monde est pour autrement? Très bien. Alors, si on a le pouvoir, ça ferait deux abstentions. Merci, M. Jourdain, secrétaire de séance. Alors, premier point à l'ordre du jour, installation d'un nouveau conseiller municipal. Monsieur Jean-Pierre Bechter a fait part de sa volonté de démissionner de ses fonctions de conseiller municipal par un courrier reçu le 5 octobre suivant, daté du 1er octobre, en application de l'article L270 du Code électoral, est appelé pour occuper le poste vacant Monsieur Régis Caudron, ici présent, suivant de la liste, entre guillemets, J'aime Corbeil-Essonne avec énergie et proximité, fermez les guillemets. La présente délibération a dès lors pour objet de constater l'installation de Monsieur Régis Caudron en qualité de conseiller municipal. Permettez-moi juste, Monsieur Caudron, d'abord de vous saluer. Je crois qu'on peut applaudir notre collègue qui nous rejoint. Merci à vous. Dire que on s'est croisé quelquefois un peu dans les rues de Corbeil-Essonne, que nous connaissons, ce n'est pas moi, mais nous, la majorité, votre attachement à différentes fonctions précédemment occupées par l'ancienne majorité, notamment tout ce qui touche aux questions de sécurité, etc. Et donc, si un poste de commandement veille sanitaire, solidaire, a été mis en place en lien avec les autorités dans le cadre du nouveau confinement. Michel Noailles, entre autres, Martine, je ne vais pas tous les citer, de nombreux élus ont mis en place ce poste qui se réunit plusieurs fois par semaine. Peut-être Michel, dans le cours de la soirée, pourra-t-il en donner quelques informations. Et donc, si vous en êtes d'accord ou autre chose, on peut vous associer, en tout cas à cette mission, à nos côtés dès cette semaine, quoi, si vous en êtes d'accord. Est-ce que, M. Caudron, vous souhaitez dire un mot pour votre nouvelle entrée dans cette enceinte? Merci, M. le maire. Vous m'autorisez un mot, donc je vous dis merci. Mais écoutez, très bien. Donc c'est une installation, donc on vote pour. C'est une prise d'acte, hein. Prise d'acte, Sylvain, c'est ce qui me paraissait assez évident.
on a une démission, le suivant monte, voilà. Donc nous avons pris acte de l'installation de Régis Caudron, bienvenue. 1, 2, Monsieur Renard, qui va de nouveau ce soir... Ah, il y a une main qui se lève, Jean-Luc. Oui, Monsieur le maire, bonjour à tous. Juste, puisqu'on aborde les problèmes de conseillers municipaux, pouvez-vous nous dire quand nous allons voter le règlement intérieur du conseil? Oui, au prochain conseil, me souffle-t-on, mais nous en avons discuté ce matin. Donc, on a réglementairement 6 mois, je crois, après l'installation, oui, pour le voter. Et donc, on souhaite le faire démocratiquement, en discuter avec d'abord la majorité, qui ne l'a pas encore fait, et puis vous, la minorité, c'est-à-dire que ça concerne nos règles de fonctionnement démocratique dans cette enceinte, et qu'on souhaite avoir votre opinion aussi sur ce règlement intérieur. Et donc, on prendra le temps, mais on l'a, puisque le prochain conseil municipal sera la mi-décembre, on vous donnera la date tout à l'heure. D'ici là, charge à nous d'avoir un échange avec vous. Ce qui me permet d'ailleurs de vous renvoyer une demande d'information, c'est que c'est plus simple de travailler avec des représentants de groupe, hein, et donc faites-nous parvenir d'ores et déjà par écrit, que ce ne soit pas simplement oral, qui avez-vous désigné pour représenter potentiellement vos groupes. Mais la question des groupes, d'ailleurs, fait partie du règlement intérieur, donc on en discutera. Il ne m'a pas échappé que M. Raymond, vous faisiez un groupe à vous tout seul, et qu'il ne s'agit pas que vous soyez puni pour cela, mais ça mérite un débat, puisque les groupes ont effectivement des pouvoirs que n'ont pas ceux qui n'en ont pas. D'accord ? Donc, voilà, faites-nous parvenir, je pense que pour votre groupe, ce sera vous le porte-parole. Pour les autres, faites-nous parvenir par écrit, de sorte qu'on puisse échanger aussi avec des responsables de groupe, quoi. D'accord ? Voilà, donc on a répondu, ce sera le prochain conseil municipal. Sylvain, pour un petit 1500 mètres, c'est à toi ce soir. Oui, monsieur le maire, avec votre autorisation, je voudrais donner une information au conseil municipal. Dans notre dernière réunion, nous avons donné un avis. Nous sommes déclarés favorables à une remise de 50% au bénéfice des deux régisseurs à qui on réclamait, à qui le Trésor public réclamait de l'argent. Ce n'était qu'un avis du Conseil municipal, donc je voulais vous informer que la Direction générale des finances publiques a suivi notre avis, et que donc c'est la moitié de la somme qui leur était préalablement réclamé, qui leur sera, qu'on leur demandera. Voilà. À ma connaissance, l'un va accepter cette solution, l'autre, qui avait déjà fait un recours gracieux, va probablement faire appel au tribunal administratif, comme c'est son droit dans la législation. Je passe maintenant à... Oui, pardonnez-moi, je voulais dire un mot sur les questions des horaires du conseil municipal. Donc, j'ai bien compris que le coup était parti pour 5h30 aujourd'hui, et on peut vous excuser compte tenu de la situation. Néanmoins, nous avions évoqué lors du premier conseil, je crois, ou du conseil du théâtre plus exactement, que les horaires, y compris de 18h30, étaient très tôt finalement, pour les gens qui travaillent, et notamment ceux qui ne travaillent pas à Corbeil-Essonnes et qui ont de la route à faire pour nous rejoindre. Donc j'aimerais qu'on réfléchisse sérieusement à un horaire plus correct par rapport à l'ensemble des travailleurs, et pas seulement à la majorité des travailleurs. Écoutez, nous regarderons. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera plus 17h30, ça c'est clair. Au plus tôt 18h30, on verra. Si on retourne à 19h, on discutera entre nous. Voilà, je voulais ajouter aussi, puisque M. Raymond a évoqué la question des groupes, donc allons-y. Je vois que maintenant nous avons 5 groupes. Donc il y a un groupe apparemment qui ne... Alors je suppose que le groupe écologiste et apparenté fait partie de la majorité municipale. Néanmoins, ça vient rajouter à la liste des 2500, ça multiplie les 2500 caractères autorisés par groupe.
Et donc on se retrouve avec, une organisation de la page tribune qui ressemble fortement à une notice de médicaments et qui est donc écrite extrêmement petite. Le reste du journal est écrit en caractères qui permet d'être lu par la majorité de la population. Évidemment, ces 5 fois 2500 caractères sont, eux, assez illisibles. Donc j'aimerais qu'on réfléchisse à augmenter peut-être le volume de pages dédiées à cette tribune, de façon à ce que, notamment les personnes qui ont quelques difficultés de lecture, puissent accéder à nos propos à tous de manière plus évidente. Merci. Merci à vous. Oui, je vous rassure, hein, parce que vous avez l'air d'être inquiet. Nous sommes tous écologistes dans la majorité et le groupe en question, qui préexistait avant même les élections municipales, fait partie de la majorité. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On n'est pas responsable des caractères des notices de médicaments. Par contre, du journal, oui. Et effectivement, on va réfléchir, parce que tout ça se met en mouvement, les groupes, à ce que les tribunes soient lisibles, ce qui n'est pas tout à fait le cas dans ce journal, mais qui est par ailleurs... un journal, je trouve, de bonne facture et qui répond d'ailleurs au souhait Jean-Luc Raymond que vous aviez fait, c'est que toutes celles et tous ceux qui étaient intervenus lors de l'hommage à Samuel Paty ont une trace de leur intervention. Et Jean-Luc, vous étiez intervenu, je vous en remercie, et vous êtes donc, vous figurez en photo avec un extrait de votre intervention. Donc voilà, la tribune sera dorénavant, effectivement, on va voir si on peut la faire sur deux pages. Est-ce que, ceci dit, Sylvain, c'est bon ? Sylvain Renard, c'est à toi. Donc, nous passons au point 1.2, qui est consacré à l'information sur les décisions du maire prises dans le cadre des délégations d'attribution accordées par le Conseil municipal en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Il s'agit donc de la liste qui figure en annexe des décisions qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions sur cette liste ? Il faut éteindre peut-être ton micro. Merci. Concernant le point 51-20, donc convention d'occupation précaire d'un appartement aux 12 rue Marchand, donc j'avais posé quelques questions en commission, donc qui n'avait pas pu trouver de réponse, et on s'était dit qu'on y répondrait au Conseil. Donc la question, c'est qui occupera ce logement et quel est le montant du loyer pour quelle surface. Et puis je vais vous poser tout de suite la question concernant le point 75-20, c'est-à-dire convention de partenariat entre Ville, CAS et compagnie Lyria pour un festival d'été. Donc j'aimerais que vous nous parliez un peu de ce festival, de ce projet de festival, que nous sachions de quoi il s'agit. Merci. Merci. Sur la première question, Sylvain, la rue Marchand. Pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il y ait... D'accord. À ce jour, non, il n'est pas prévu d'occupation pour l'avenir. Et s'il en était prévu, on vous le dirait. Hein ? Pardon ? Alors, à quoi sert la convention d'occupation ? Mais est-ce qu'elle est... C'est un... Attendez. Voilà, c'est un renouvellement pour un agent municipal. Moi, j'ai pas de... On est en train de travailler la question des logements, pour tout vous dire. Et on n'a pas encore compris toute la logique qui préexistait ici, de savoir qui avait le droit d'avoir un appartement de fonction. Donc on est en train de mettre de l'ordre dans tout ça. Quand on aura le nom de la personne qui l'occupe, on vous le donnera. Il n'y a pas, c'est transparent. On doit savoir qui loge dans des logements de fonction. Pour l'instant, on est en train encore d'y travailler, Monsieur Bell. Je vous demande pardon, Monsieur le maire, mais donc là, vous faites part d'une décision du maire qui a été prise depuis le 22 septembre, c'est ça ? Donc à savoir la signature d'une convention d'occupation précaire d'un appartement ci aux 12 rue Marchand à Corbeil-Essonnes. Donc j'imagine que cette convention que vous avez signée, elle est bien établie entre la ville de Corbeil-Essonnes propriétaire et quelqu'un. C'est un agent des espaces verts et c'est un renouvellement.
Voilà. D'accord. Sylvain ? Oui, peut-être un mot d'explication, puisque c'est l'occasion en ce qui concerne les logements. La commune a pas mal de logements qu'on peut diviser en deux catégories, ceux qui correspondent à un logement de fonction et ceux qui sont tout simplement loués. Alors nous avons procédé à un examen attentif de l'ensemble de la liste. Et ce qui est apparu le plus étonnant, c'est que quatre logements étaient occupés par des occupants sans titre, ce qu'on appelle habituellement des squatteurs. Et nous sommes en train, tout en respectant le droit des personnes et en faisant preuve d'humanité, de régler ce problème. Des lettres sont parties. J'ai d'ailleurs pris une des personnes concernées à demander à prendre rendez-vous avec moi. Je la reçois prochainement. Donc nous allons régulariser, remettre de l'ordre, parce que ce n'est pas normal dans la situation actuelle que des gens occupent des logements sans titre, c'est-à-dire sans payer de loyer et sans raison. Pour les autres logements, qui sont des logements de fonction, il y a normalement un arrêté du maire, souvent ancien bien entendu, il y a un arrêté du maire qui dit quelles sont les obligations de la personne. Par exemple, un gardien de cimetière, il a un logement de fonction, mais il doit ouvrir, fermer le cimetière, vérifier que tout va bien, etc. Hein. Donc, nous vérifierons, le plus urgent nous paraissait être de s'occuper des squatteurs, mais nous allons vérifier, c'est moins urgent, que chaque arrêté a toujours du sens. C'est-à-dire qu'à chaque logement de fonction, il doit correspondre une astreinte, une charge, enfin une raison pour laquelle ce logement de fonction est donné et proposé par la ville. Donc ce travail est en cours, nous ne manquerons pas d'ailleurs d'informer bien sûr au fur et à mesure le conseil municipal des résultats qui seront obtenus. Merci. Bon, ben, votre question aura permis, M. Bell, de vérifier que lorsque vous étiez maire adjoint, les logements de fonction étaient occupés pour certains par des squatteurs. Je vous remercie. Monsieur Raymond. Oui, juste une petite précision sur la décision 50-20. Pouvez-vous nous dire à quoi correspondent les honoraires qui ont été réglés à un huissier de justice? Alors, le temps de vérifier. On regarde, hein. Moi je souhaite qu'on puisse répondre en direct aux questions posées. Alors, vous voyez, ce qui a changé, c'est qu'avant, à votre place, Monsieur Raymond, mais vous n'étiez pas dans la majorité, quand on posait ce type de questions, on répondait, on vous répondra par écrit. En 25 ans, j'ai jamais reçu une seule réponse par écrit, de sorte que, même si ça paraît prendre un peu de temps, on a la réponse, on vous le donne, c'est l'huissier qui a servi à payer l'envoi d'un pli en recommandé à Monsieur Gassama pour lui signifier sa suspension. Voilà. Très bien. Je vous remercie. Voilà. Monsieur Segura, qui souhaite répondre sur la partie culturelle de la question. Oui, c'est père. Pour le point 75-20. Donc, la convention, elle a concerné le festival Barak Théâtre, qui a eu lieu tout l'été, tous les vendredis, dans différents parcs de la ville, et donc qui a animé tous les vendredis après-midi jusqu'à la soirée les parcs, et donc on en était très content. Et d'ailleurs, ils sont allés dans plusieurs quartiers, notamment à Chantemerle trois fois, à la Nacelle, à l'Ermitage et au Tarteret. Et donc voilà pour ce point. Jacques Picard. Oui, monsieur le maire. Je veux dire que je trouve le ton de Jean-François Bell bien comminatoire à ce stade, puisque la démocratie de cette assemblée, j'en ai un souvenir, Jean-François Bell. Il se trouve que c'est la première fois que je me retrouve conseiller municipal dans cette salle depuis 2009, date à laquelle j'avais démissionné suite à une élection qui était truquée et que peut-être le tribunal va être jugé truqué le 17 décembre.
Alors je trouve que la manière dont nous conduisons les débats, nous répondons, est largement à l'honneur de la démocratie que vous ne pratiquiez pas il y a 4 mois. Alors, allez, Monsieur Bell. Je ne sais pas ce que vous appelez ton combinatoire, mais il me semble que poser des questions ne relève pas des tons combinatoires. Donc j'ai simplement posé des questions, j'attends des réponses. D'ailleurs, je n'ai pas eu la réponse que j'attendais sur l'appartement du 12 rue Marchand. Je comprends parfaitement que vous puissiez avoir besoin de vous retourner vers vos services pour avoir les détails d'une réponse à une question. Ça me paraît tout à fait normal. Vous ne pouvez pas évidemment tout savoir. Néanmoins, je rappelle que cette question combinatoire, je l'ai déjà posé en commission, donc je ne surprends personne en reposant cette question. Et d'ailleurs, je rappelle ma question complète, puisqu'elle n'a pas trouvé de réponse. La question, c'était qui ? On me répond par un agent des espaces verts. Bon, ça va me convenir, je ne veux pas avoir le nom en particulier de la personne. Néanmoins, je n'ai pas de réponse sur le montant du loyer, les surfaces louées. Et j'ajouterai, puisque vous m'avez tendu la perche, monsieur le maire, et que c'est une nouvelle convention d'occupation que vous avez signée, donc j'imagine que vous avez été attentif à ce document. Donc, quelle est la fonction, quel est l'intérêt, de fournir un logement de fonction à un agent des espaces verts? Il y en a peut-être un, je n'en disconviens pas, mais j'aimerais connaître cette raison. Merci. On vous donnera le loyer qu'on est en train de chercher. Nous n'avons pas le droit de donner le nom des agents, donc vous le savez. D'abord, on n'en a jamais eu un en 25 ans. Sachez juste, monsieur Bell, qu'il y a un travail, 600 euros. Voilà. D'accord ? Je vous mets au défi de ne pas avoir une réponse à une seule de vos questions. Par contre, vous n'avez pas dû beaucoup vous intéresser. C'est pour ça qu'on est un petit peu... Je comprends l'intervention de mon collègue Jacques Picard. Vous avez été adjoint dans une commune où, pendant des années, des appartements de fonction étaient donnés à tort et à travers. D'accord ? On a découvert qu'il y a des appartements de fonction qui étaient donnés à des personnes qui ne devaient pas les avoir, qui ne les occupaient pas et qui les sous-louaient. Donc, soyez pas impatients. Ça me permet de d'avancer d'autres questions, monsieur Bell. On aura un conseil municipal où on fera la liste de tout ça. D'accord ? Donc, il n'y a aucune envie chez nous de donner des appartements de fonction à des gens qui n'en auraient pas le droit et qui ne pourraient pas en justifier. Donc, il y a un loyer. Donc, on n'a pas le détail. Je ne vous donne pas le nom. Mais je fais confiance au fait qu'on mette de l'ordre dans les appartements de fonction. D'accord ? Et donc, on est en train de le faire. Voilà le loyer et les charges. Voilà, les loyers, 497,27 euros, 101,96 euros de charges. D'accord ? Donc voilà. Donc on passera une délib, on fera un point, je ne sais pas si c'est une délib, on fera un point sur les appartements de fonction. On a fait de belles découvertes, hein, je crois, Michel, à l'école Jean Massé, des appartements qui pourraient être de beaux appartements de fonction étaient murés, en train de se dégrader, dans une ville où il y a 4000 demandes de logement et où Mounia Aïssa porte une politique d'hébergement d'urgence, notamment pour les femmes victimes de violences. Voilà, vous, pendant toutes ces années, vous aviez muré des appartements qui pouvaient faire des beaux appartements et vous les louez à personne, vous les donniez à des gens sans titre qui les sous-louaient. Et on vous donnera la liste. Donc, quand vous êtes comme ça, d'un seul coup, au bout de 4 mois, hyper exigeant pour avoir au centime près le montant d'un loyer, c'est votre droit, je vous le donne. Soyez, voilà, un peu plus modeste sur les exigences que vous avez depuis 4 mois, quand pendant des années, il a été fait n'importe quoi en la matière. C'est tout ce qu'on vous dit, quoi. Voilà, c'est tout. Sylvain Renard. Oui, oui. Ben, s'il n'y a plus d'autres questions sur le 1-2, je crois qu'on a répondu au centime près à toutes les questions. Jean-Luc, tu es satisfait ? Ça me fait plaisir, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous prenons acte. Alors, toujours toi, Sylvain, 1-3. Avis du Conseil municipal relatif aux dérogations de la règle du repos dominical pour les commerces de détail en 2021.
Donc la loi Macron du 6 août 2015 a assoupli le régime des exceptions au repos dominical des salariés et ainsi augmenté le nombre des dérogations possibles, passant de 5 à 12 dimanches au maximum par année civile. Il est donc proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le nombre de dimanches dérogeant au repos dominical et les dates proposées pour 2021, suivant la liste figurant dans la notice explicative. Peut-être d'un mot indiquer que les dimanches, le travail le dimanche pose toujours problème. On peut toujours se demander si c'est bien raisonnable d'augmenter ce nombre de dimanches. Nous avons pourtant considéré que dans la situation actuelle où les commerces ont d'énormes difficultés, vous le savez tous, à cause de la crise sanitaire, nous avons considéré qu'il était bon de maintenir ces autorisations dérogatoires qui sont proposées ce soir à votre vote. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Jean-Luc ? Raymond ? Oui, monsieur le maire, vous n'ignorez pas la situation très compliquée dans laquelle se trouve notre commerce suite à la crise sanitaire que nous traversons. Au vu de cette crise, n'y a-t-il pas la possibilité justement d'augmenter le nombre de dérogations de jours d'ouverture le dimanche ? Et par ailleurs, au vu du contexte très difficile pour nos artisans et commerçants, comptez-vous mettre en place un vaste plan de mesures et d'aides afin de sauver notre commerce local ? Alors, peut-être, merci Jean-Luc pour cette question. D'abord, voilà, Sylvain a donné des précisions de la cohérence de notre pensée de la majorité. C'est-à-dire que moi, j'ai, dans la minorité, souvent, ou m'être abstenu, avec Pascal Prigent notamment, ou voter contre parce qu'on pense que le dimanche, c'est compliqué la question du commerce. Hein. On est plutôt des individus qui pensons que le dimanche, on se cultive, on va prendre l'air, on passe du temps en famille. On peut aller faire des courses, mais quand on fait des courses, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent. Et nous avons eu un débat intéressant entre nous, dans la majorité, sur le fait, et on va essayer d'aller à l'encontre des salariés des commerces du dimanche, qui, bien souvent, n'ont pas le choix. C'est pas qu'un plaisir pour tout le monde de dire « c'est un super dimanche, je travaille ». Donc on essaie de tenir compte de nos idées, qui ne sont pas des principes intangibles, de dire « le repos dominical, c'est pas mal ». D'accord ? Pour l'instant, ce qu'on met au vote ce soir va dans le sens de ta requête, c'est-à-dire on donne des jours supplémentaires là, avec cette délib. D'accord ? Et donc, on acte déjà ça. Pour aller plus loin, Pierrick Gautreau travaille avec ce poste de veille sanitaire et solidaire pendant le Covid. Avec les commerçants, on est en train de réfléchir, et si tu souhaites nous apporter ta contribution, puisque tu es plus expert que certains d'entre nous en la matière, toi-même étant commerçant, on est preneur d'idées pour mettre, on est en train de réfléchir à la mise en place d'une plateforme solidaire pour les commerçants de Corbeil-Essonne. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut aider à mettre en relation des commerçants qui sont contraints de fermer leur boutique avec leurs clients ? C'est un boulot, voilà. En tout cas, on souhaite le faire. Et en même temps, il n'y a pas que les commerçants. Il y a aussi bon nombre d'artisans, d'autres professions, le secteur économique, pour tout dire, qui souffrent dans la période. Et donc, voilà, on a une semaine d'un nouveau confinement. On réfléchit à aller dans ce sens-là. Donc, moi, on réfléchit, je le dis aux élus qui mènent ces dossiers, c'est vrai pour toi comme pour tout autre élu, dans certaines réunions où on travaille ces questions, comme je l'ai proposé à Régis Caudron pour le poste de commandement lui-même, veillons à vous associer à ces réflexions pour faire mieux. Et la question du commerce, évidemment, nous préoccupe. Donc pour ce soir, on vote ça. Et puis, dans les jours et les semaines qui viennent, en espérant que ce confinement, mais rien n'est moins sûr, ne durera pas trop, eh bien, on puisse faire mieux pour les commerçants de Corbeil-Essonne. Par exemple, j'ai pensé qu'il n'était pas pertinent de prendre un arrêté dans le même moment où certains le faisaient, et je peux le comprendre. Le préfet nous disait que de toute façon, il verbaliserait les commerces qui ouvriraient alors qu'ils n'en ont pas le droit. Et on a pensé plutôt que de faire un peu d'esbrouf, somme toute, réfléchir avec eux à comment les aider dans la période. Voilà où on en est aujourd'hui. Reconnaissez que ça fait une semaine hein, qu'on est dans... C'était lundi dernier la mise en place du confinement avec la rentrée scolaire.
Voilà, on en est là, et déjà pour ce soir, voilà ce qu'a dit Sylvain, on va au-delà de ce qu'on aurait peut-être fait d'habitude, compte tenu de la période où effectivement les commerces souffrent particulièrement. Voilà. Passons au vote, s'il y a d'autres questions. S'il y a d'autres questions. Vas-y Sylvain. Non. Alors nous passons au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Très bien. Donc à l'unanimité, si j'ai bien vu, cette délibération est adoptée. Ensuite, toujours toi, Sylvain. Alors le point 1.4 est consacré au recensement annuel de la population 2021 et il s'agit de l'indemnité consacrée aux agents recenseurs. Donc il va s'agir simplement de fixer les indemnités qui sont données aux agents recenseurs. Je dis d'un mot l'importance de la procédure de recensement, puisque c'est elle qui permet de déterminer le nombre d'habitants et le nombre de logements dans notre ville, et ça conditionne l'attribution des subventions. Donc c'est un travail important auquel nous apportons beaucoup d'attention. Pour l'instant, il s'agit... alors, je rappelle aussi que ça coûte un peu d'argent à la commune, mais pas énormément, puisque nous sommes indemnisés à hauteur de 9 194 euros par l'INSEE. Donc, vous avez les tarifs. Hein, je ne redis pas tout ça. Vous l'avez dans la notice. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette décision habituelle à chaque fois qu'il y a un recensement dans la commune? Les remarques, Jacques? Non, je n'ai pas de question, c'est plus une remarque sur le fait que j'ai vécu le passage du recensement général au recensement par sondage, 8% de la population. On a vraiment un problème, en particulier à Corbeil-Essonne, puisque à l'occasion du PLU en particulier, du précédent PLU, nous avons eu des débats pour savoir à quelle hauteur était la population de Corbeil-Essonne. Je trouve que c'est un véritable problème aujourd'hui d'avoir des incertitudes statistiques quand même assez notables sur la ville. Je voulais le noter à cette occasion. Oui, juste un mot, Sylvain et Jacques. On a un petit débat avec le préfet en ce moment, on en reparlera plus précisément. Nous, on pense plutôt qu'on est 56 000 habitants et que sans rien faire avec la politique d'urbanisme de l'ancienne majorité, on va très vite être à 60 000 habitants. D'accord ? Et donc, ce n'est pas la même chose, évidemment, qu'on nous considère, du point de vue de l'État, un peu au-dessus de 50 000. Si on est 56 000, vous avez compris que ce n'est pas les mêmes dotations, ce n'est pas les mêmes enjeux. Donc, on a un petit débat, mais on sera vite fixé hein, entre l'INSEE, l'État et nous-mêmes pour avoir le nombre exact d'habitants dans notre commune. Voilà, Sylvain. S'il n'y a pas d'autres questions, nous... Passons au vote. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Sylvain, donc, décision modificative numéro 1. Alors, nous passons donc à la décision modificative numéro 1. Une décision modificative est prévue dans la comptabilité des communes pour réajuster le vote des crédits prévisionnels en cours d'exécution budgétaire et procéder à des virements entre chapitres. Alors, dans le cas qui nous occupe, il s'agit d'une modification assez banale, somme toute. Les principales modifications concernent la réévaluation des recettes en fonction des encaissements constatés depuis le vote du budget primitif, l'ajustement à la baisse du fonds de concours, subvention d'investissement versée par la communauté d'agglomération GPS en fonction des dépenses engagées pour la réfection des voiries communales, la réduction des crédits prévus pour la rénovation du centre technique municipal, je vais en dire un mot après, de nouveaux crédits en section de fonctionnement pour la fourniture d'électricité et pour rembourser à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-et-Saône-Sénart le traitement des déchets du terrain de la rue de Cauville. Des besoins complémentaires en section d'investissement, notamment l'installation de caméras dans le nouveau centre administratif et le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'achat d'un terrain situé dans le quartier de mon conseil. Alors, on va vous demander de l'approuver, mais peut-être quelques informations au passage. Comme on a traité de cette question avec M. Bell et d'autres en commission, il y avait des choses qui nous avaient un peu étonnés.
Par exemple, en 70-323, redevance d'occupation du domaine public communal. Vous vous souvenez que le conseil municipal avait voté une réduction au bénéfice des commerçants qui utilisent des terrasses. Hein. Et donc, il paraissait étonnant, alors que c'était donc des sommes qui ne rentraient pas, hein, des recettes en moins. On ne comprenait pas pourquoi il y avait subitement des recettes en plus. Alors, j'ai fait faire une recherche par les services et nous avons une liste qui explique ces recettes. Alors, en fait, il ne s'agit pas tellement des terrasses, il s'agit avant tout des échafaudages et des chantiers qui existent sur la commune. Et par moment, il y a des espaces assez importants occupés, ce qui amène des recettes relativement conséquentes. Je tiens, peut-être je peux le faire passer, je tiens à la disposition des élus des minorités, s'ils le souhaitent. Je pourrais vous le donner à la fin, Monsieur Bell, parce que vous me l'aviez demandé. Hein. Donc j'ai un état écrit que vous pourrez consulter et prendre d'ailleurs. Là, on a une explication claire. Peut-être certains peuvent s'étonner de la diminution, il faut que je le retrouve, de la diminution de la dépense pour le CTM. Alors c'est simplement parce que nous avons changé de projet. Au lieu de réaménager sur place le centre technique municipal, nous voulons en faire un autre. Et donc les frais d'études qui étaient prévus pour le réaménagement n'ont tout simplement pas été dépensés puisqu'on a changé de projet. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? S'il y a des questions, je vais y répondre, mais enfin je voulais donner déjà ces précisions. Donc, questions éventuelles. Monsieur Bell. Oui, je vous remercie pour ces précisions aux questions posées en commission, auxquelles vous ne pouviez pas répondre à ce moment-là, ce qui était normal. Je vous remercie donc d'y répondre maintenant. Il y avait une question complémentaire que j'avais posée sur le chapitre 1342, les amendes de police. Donc, on constate une augmentation par rapport à 2019, si j'ai bien compris, de 294 000 euros des recettes d'amendes de police en provenance donc de la préfecture, sachant que habituellement, alors on les retrouve après sous... non, donc c'est bon. C'est bien donc 294 000 euros supplémentaires. Donc par rapport aux 150 000 euros de recettes habituelles, si j'ai bien compris, et donc je m'interrogeais sur les raisons, enfin sur le fondement réel de ces 294 000 supplémentaires. Est-ce que c'était lié par exemple à la mise en place du radar du boulevard Henri Dunant? Est-ce que cela génère des recettes pour la commune? Je l'ignore. Voilà, je voulais avoir des informations complémentaires et puis savoir aussi si cette recette, enfin vous allez me le dire, si elle sera pérenne ou si elle est tout à fait extraordinaire. Alors je partage, Monsieur Bell, d'ailleurs je vous l'avais dit en commission, je partage votre interrogation. Pour l'instant je n'ai pas de réponse totale, on a fait une demande, hein, les services des finances a fait une demande, à moins que la réponse soit arrivée depuis, mais je sais que M. Mahé a fait la démarche, hein, j'en ai eu la preuve, il a fait ce qu'il fallait. Pour l'instant, nous ne pouvons pas vous donner, mais je m'y intéresse comme vous, hein, M. Bell, et je ne manquerai pas de vous la donner quand je l'aurai. Mais nous voulons en effet comprendre pourquoi il y a cette augmentation. Je peux par contre dire un mot, mais ça c'est pour l'ensemble du Conseil, parce que je sais que vous le savez, M. Bell, certains peuvent se demander pourquoi des amendes de police apparaissent en investissement et en recettes d'investissement. Ça paraît un peu curieux. C'est dû au fait que les amendes de police sur la circulation doivent être utilisées pour la sécurité routière, pour faire des aménagements, ronds-points, feux rouges, etc. Donc c'est fait pour faire de l'investissement, et ça peut paraître curieux, mais du point de vue comptable, c'est une recette d'investissement. J'ai vérifié qu'il n'y avait évidemment pas d'erreur de la part des services comptables. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Madame Capron. Oui. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, vous parliez du centre technique municipal. J'aimerais savoir, puisqu'il ne va pas être réhabilité, à quel endroit vous pensez reconstruire ce CTM, s'il vous plaît?
Alors, est-ce que vous avez déjà un lieu voilà, oui. À nous dire. Alors, un mot sur le centre, j'en ai rediscuté avec plusieurs élus aujourd'hui, notamment Frédéric Pio, mais qui est donc toujours en conseil d'école ou de collège. Donc on a acté entre nous, la majorité, le principe que tant que faire se peut dans le mandat, nous aurions un nouveau centre technique municipal. Nous avons acté entre nous qu'il ne serait pas là où il est aujourd'hui. D'ailleurs, je vous le dis, je suis heureux, Madame Capron, que vous vous souciez du centre technique municipal, tant nous avons eu honte de ce que nous avons trouvé lorsque nous l'avons visité il y a 2 mois, puisque c'était une décharge, ce centre technique municipal, et que pendant des années, la ville de Corbeil faisait travailler ses agents dans des immondices. Nous avons pris les mesures avec plusieurs élus, et je les en remercie, Daniel Leguet, Frédéric Pio, Francis Arnoux, pour que on nettoie l'actuel centre technique municipal. Il était hors de question d'attendre qu'on ait un nouveau centre pour que nos agents travaillent dignement. D'accord ? Donc, des mesures ont été prises avec notamment les entreprises qui s'occupent du nettoyage dans cette ville. Sur la localisation, nous avons un débat que nous allons mener d'abord avec l'administration et les agents, les premiers concernés, ceux qui vont travailler dans le futur centre technique municipal, qui ne sera pas construit en partenariat public-privé. On va prendre le temps, hein, on aura un concours d'architectes, etc. Sur la localisation, nous sommes en train de regarder, en se disant que, comme Frédéric Pio nous le conseillait récemment, il faut à la fois prendre notre temps sans aller lentement. C'est-à-dire qu'il y a une urgence à ce que nos agents travaillent dans de bonnes conditions. Et un centre technique municipal, c'est aussi une vitrine de la ville, de sorte que les agents soient en mesure de rendre un service public de qualité. Donc, nous étudions la localisation. Et il y a plusieurs pistes, pas tant, hein, parce qu'on souhaite pouvoir faire aussi assez rapidement. Nous concerterons l'administration, les agents, les élus de la minorité et de la majorité, et nous ferons en sorte que quand le dossier viendra au conseil municipal, il aura fait l'objet d'un débat. Donc vous ne découvrirez pas, ni aucun élu ne découvrira par l'envoi d'une délibération la localisation de ce TTM. Nous sommes, c'est une de nos priorités. On cherche plutôt à avoir quelque chose dans le centre-ville, etc. Enfin voilà, on cherche, et quand on aura trouvé, il faut un terrain, un vendeur si on n'en est pas propriétaire, l'acheter, le céder à le faire financier. C'est l'un des dossiers qui est fléché avec le département et son président François Durouvray pour être financé dans le cadre d'un nouveau contrat avec le département. Hein. Donc le dossier avance, c'est l'une de nos priorités, et donc j'ai bon espoir qu'on inaugure un nouveau centre technique municipal dans le mandat en cours. Voilà. Donc quand on saura exactement, d'abord on vous aura demandé votre avis aussi, Madame Capron, il nous intéresse. Hein. Et d'ailleurs, si vous avez des idées auxquelles on n'aurait pas pensé, évidemment, faites-nous les remonter. Voilà, Sylvain, d'autres questions? Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette décision modificative? Eh bien, sinon, nous passons au vote. Qui s'abstient? Il y a une abstention. Deux, a priori, deux, avec M. Marin. Pouvoir, pardon. Qui est pour? Qui est contre, en principe, d'abord? Qui est contre? Oui, vas-y. Oui. Pardon. Alors, contre? Alors, on ne sait pas qui est là-bas. Moi, j'en vois 5. Ben oui, ils sont plus loin. J'ai le pouvoir de Madame Ketfi. Alors, ça doit faire 6. Les autres. Cette délibération est donc adoptée. Pardon, l'opération de réhabilitation thermique par la SA Immobilière 3F de 109 logements. Non, non. J'en ai oublié un. Ah oui, protocole d'accord transactionnel de remboursement du traitement des déchets de la rue Decauville par le Centre intégré de traitement des déchets de Vert-le-Grand. Alors, j'en dis juste un mot. Vous avez notice explicative. Il s'agit d'une vieille histoire. Des déchets avaient été pris et portés
au centre de traitement de déchets sans un accord de la communauté. Il y a une négociation qui a abouti à un protocole transactionnel qui est soumis à votre accord, à votre vote. Nous avons travaillé sur ce texte pour qu'il reflète au mieux la réalité et qu'il ne rende pas la commune responsable de tous les maux. Cependant, nous devons payer ce traitement des déchets. C'est la raison pour laquelle il vous est demandé d'approuver ce protocole d'accord. Y a-t-il des questions ? C'est bon pour tout le monde ? Il n'y en a pas. Enfin, je n'en vois pas. Passe au vote. Donc, qui s'abstient ? Alors, sans doute 7, non ? Les 6 plus M. Bell, si je ne me trompe. Et 2, Bell, 2, ça fait donc 6, 8. Alors, 8, 8, pardon. Oui. Merci. Qui vote contre ? Personne. Qui est pour ? Tout le monde, à part les 8. Les autres, cette délibération est donc adoptée. D'accord, merci. Du coup, là, c'est bien l'opération de réhabilitation thermique. Alors, opération de réhabilitation thermique par la société anonyme immobilière 3F de 109 logements situés 10, 12, 14, 16, 18, chemin de la Cavignon à Corbeil-Essonne. Il s'agit simplement d'un transfert de garantie d'emprunt. D'un emprunt qui a été accordé par la commune de Corbeil-Essonne en faveur de l'opérateur national de vente. Donc c'est une garantie habituelle que l'on transfère d'un opérateur à l'autre. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc je passe au vote. Qui s'abstient ? Personne apparemment. Qui est contre ? Personne. Qui est pour ? La délibération 4-3 est adoptée à l'unanimité. Alors, Sylvain, une garantie d'emprunt pour l'acquisition en VEFA par CDC Habitat Social, situé de logement boulevard Henri Dunant. Voilà, alors il s'agit de l'octroi de garantie pour le remboursement d'un emprunt souscrit par la société Plurial Novilia auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour l'acquisition de logements 12, 14, 16 rue de la Papeterie à Corbeil-Essonne. Donc nous faisons une réitération de garantie pour le prêt réaménagé et nous approuvons un avenant de prolongation à la convention de gestion de garantie communale avec réservation de logement. Donc il s'agit de ce que nous faisons fréquemment. D'une part, nous donnons une garantie et d'autre part, nous pouvons affecter en échange des logements. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Je n'en vois pas. Je passe donc au vote. Qui s'abstient ? Alors, je vois 6, je pense, hein, comme d'habitude. 6, oui. 6, c'est ça, oui. Qui vote contre ? Personne. Qui est pour ? Les délibérations 4-4A et B sont donc adoptées. D'accord. 4-5. Il s'agit de la garantie d'emprunt pour l'acquisition en VEFA par CDC Habitat Social de 90 logements situés 74 boulevard Henri Dunant à Corbeil-Essonne. Il s'agit d'un accord de principe. La présente délibération a pour objet de donner un accord de principe pour garantie d'emprunt à contracter par CDC Habitat Social auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la réalisation d'une opération d'acquisition en VEFA de 90 logements familiaux sociaux PLS situés 74 boulevard Henri Dunant à Corbeil-Essonne. Il convient de préciser qu'une délibération ultérieure sera prise afin d'entériner cet accord définitif de garantie et d'approuver en contrepartie la convention de réservation de 18 logements au profit de la commune de Corbeil-Essonne. Donc garantie habituelle, sauf qu'il s'agit pour l'instant seulement d'un accord de principe. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Je n'en vois pas. Nous passons donc au vote. Qui s'abstient ? Alors, 6, a priori. Qui est contre ? Personne. Qui est pour ? Les autres. La délibération 4-5 est donc adoptée. Merci. Martine Soavi. C'est pour la délibération 5.1. Vous avez eu sur table une modification, une nouvelle délibération. En fait, c'est une
une légère modification de la délibération. En effet, nous devions voter une cession de deux parcelles cadastrées, section AC 776, 781 et 786, 6 rue Charles Robin à Corbeil-Essonnes, au profit de Grand Paris Aménagement. Ces deux parcelles ont été cédées à 1 euro. Cela rentre dans le cadre de la ZAC de la Montagne des Glaises et il nous fallait en fait finir cette opération. Nous avons été dans l'obligation donc de demander la valeur des terrains au domaine et nous avions fait la première de cette délibération uniquement avec le prix des domaines qui était de 2 millions, je ne sais plus, regardez, enfin bref, qui était une certaine somme. Or, Grand Paris Aménagement nous a interpellés parce que les promoteurs, eux, peuvent faire appel non pas au domaine, mais à la DNI. C'est ça, je ne me trompe pas, Mme Berthet ? DNID ? Voilà. Et qui, en fait, ne donne pas le même prix d'estimation. Or, le promoteur, en fait, paye 0,1% de taxes sur le prix de la DNID et non pas donc de nos domaines à nous. Donc il fallait en fait pour que ce soit possible pour eux refaire cette délibération. Bien juste en fait on fait apparaître le nouveau prix des domaines qui correspondent bien au prix que les promoteurs doivent avoir. C'est clair ? En tout cas, ça l'est pour nous. Jean-Luc ? Oui, sur cette délibération, j'aurais une question et une réflexion. Pourquoi l'administration a mis autant de temps à présenter cette délibération qui aurait dû être présentée par l'ancienne équipe ? Peut-être que M. Bell peut nous donner des explications sur le sujet. Et au-delà des échanges normaux qui ont lieu dans le cadre de l'ANRU, je m'interroge sur le bien fondé de céder à un aménageur public des parcelles de terrain estimées à 2 millions d'euros par les domaines pour 1 euro symbolique. Quand on connaît l'état des finances de notre ville, on est en droit de s'interroger et on se dit qu'il est regrettable de brader son patrimoine. Alors, Monsieur Raymond, enfin Jean-Luc, c'est tout à fait la position que j'avais quand il m'a été présenté la délibération, enfin la proposition au mois de juillet. Je me suis dit, on a effectivement besoin d'argent, c'est quand même pas normal, etc. Sauf que c'est dans la convention qui a été signée il y a bien longtemps, et en fait, on ne peut pas y échapper, à moins d'avoir des poursuites, ce qui n'était pas dans notre idée. Donc, personnellement, c'est un peu la mort dans l'âme que j'ai accepté que ça se vende à l'euro symbolique, mais il y a eu des contreparties quand même. La ZAC a fait quand même ce qu'il fallait, contrairement à ce qui s'est passé à la papeterie, par exemple, où il n'y a pas ce qu'on attendait. Ou ce qui va se passer au tribunal, où nous n'avons pas ce que nous attendions. Donc voilà. Donc c'est pas, on n'a pas bradé les choses. On permet simplement à ce que la montagne des Glaises aille jusqu'au bout. D'ailleurs, Monsieur Bell a posé une question tout à l'heure, j'y répondrai, sur justement le parc qui reste à aménager, et je reviendrai dessus tout à l'heure. J'ai répondu à votre question. Oui, peut-être, je vais préciser, Jean-Luc, peut-être. Merci, Martine, d'abord. L'administration, en la matière, a fait sur ce dossier ce que l'ancienne municipalité lui avait demandé. Bien sûr. D'attendre. Voilà. Donc, peut-être des échéances électorales, en l'occurrence, qui sont maintenant passées. Donc, c'est aussi des dossiers dont, pour certains, nous héritons. Je partage, par contre, ta remarque sur qui doit payer quoi à l'avenir. Et que les futurs aménageurs que nous irons chercher, ou ceux qui sont déjà là avec lesquels nous continuerons à travailler, eh bien, tout ce qu'on pourra leur faire payer, on leur fera payer. Hein. Et donc, ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est plutôt notre culture. Hein. Et que là où il y a de l'argent privé à aller chercher pour servir l'intérêt public, faites-nous confiance, on le fera. Et d'ailleurs, pareil, pour que... J'anticipe tes questions, Jean-Luc, et celles d'autres, c'est que notre volonté de vous associer, tout le monde, y compris la minorité, à des futurs projets importants d'aménagement, vous allez le vérifier. Et donc je redis d'ailleurs le fait que quand il y aura les présidents de groupe, tout ça, ça va nous aider, mais aussi là où vous êtes dans des commissions, qu'on ait des réunions ouvertes où vous puissiez être associés. Ce qui empêchera Jean-François Bell d'écrire des erreurs ou des choses fausses dans sa tribune que les habitants vont découvrir.
en matière d'aménagement, nous n'allons pas accepter les projets de transformation des lieux en logement, des Grands Moulins et de l'hôpital. Monsieur Bell, ça, c'était vos projets, je précise. Mais comme je découvre ça, moi, à votre tribune, on m'en avait fait part de quelques morceaux choisis, mais pas de tout. Je découvre ça. L'hôpital, monsieur Bell, vous étiez dans une majorité qui avait prévu la construction de centaines de logements. Vous l'avez présenté lors d'une réunion publique où j'étais à mon conseil. Or, nous venons, je le réannonce là, à 7 heures, il n'y aura pas de centaines de logements sur le dossier de l'hôpital. Donc vous avez écrit une bêtise. Deuxième bêtise, les Grands Moulins, quand nous sommes arrivés dans les dossiers, il n'y avait qu'un seul projet, une seule commande à la famille Soufflet, à ceux qui seraient opérateurs, c'était des logements. Nous avons mis un pied dans la porte. À ce jour, nous retravaillons un tout autre projet. D'accord ? C'est une deuxième bêtise. Troisième bêtise, Elio, on est en mesure de vous annoncer, mais je ne suis pas l'acquéreur, à 15 millions d'euros, que cette vente pourrait effectivement voir le jour. La promesse de vente a été signée lorsque vous étiez maire adjoint. Elle viendrait effectivement se faire, se concrétiser, mais ce n'est pas encore fait. Et quand il y aura un nouveau propriétaire des terrains d'Elio, eh bien, faites-nous confiance qu'on ira discuter avec lui pour savoir, sur 4 hectares en centre-ville, qu'est-ce qu'on peut bien en faire. Et donc, peut-être qu'il y aura des logements. D'abord, après tout ce que vous avez construit, vous n'allez pas nous en reprocher d'en construire quelques-uns. Mais il y aura surtout de la ville, de fabriquer de la ville. Ce qui me semble n'a pas été complètement fait sur la papeterie, sur mon conseil, où ce n'est pas franchement de la ville qui a été construite. Mais nous, on va essayer de faire de la ville. Et du coup, la ville, ça se fait avec les habitants. Et faites-nous confiance que quand il y aura ce nouvel acquéreur définitif, eh bien, nous travaillerons en concertation avec vous, l'ensemble des élus, l'ensemble des habitants, sur ce qu'on fera des 4 hectares, en sachant que ce n'est pas à nous que ça appartient, mais on a des outils d'urbanisme pour, comme moyen, non pas de pression, mais de réflexion, sur comment, sur tous ces dossiers, on va travailler avec les habitants. Donc, nous n'allons pas accepter des projets qui étaient les vôtres pour construire des centaines de logements. Mais est-ce que, Jean-Luc, les réponses, ça va très bien ? Oui, oui, très bien. Juste, M. Bell nous a pas répondu sur le fait qu'il était directement concerné, puisqu'il était maire adjoint à l'urbanisme. Donc c'est lui, avec le maire sortant, qui a signé cette convention, qui est vraiment une convention contre nature pour les intérêts de notre ville. Peut-il nous donner des explications sur le fait que l'administration n'ait pas présenté cette délibération sous l'ancien mandat? Vous avez un débat entre vous, mais nous, on n'a pas de problème. Non, répondez à M. Raymond, ça nous intéresse. Donc, juste une réponse pour la question de Jean-Luc Raymond, elle est très simple. Une ZAC, puisqu'il s'agit d'une ZAC, donc ça s'établit préalablement au début de la construction, et ça se travaille sur des années en y prévoyant, donc avec un certain nombre de conventions, de documents qui sont associés, ça se prévoit à l'avance, et donc tous les échanges de terrain, échanges de terrain, cessions, achats, etc., sont planifiés dans la convention. Et vous avez ce que l'on appelle un bilan de ZAC qui permet d'établir, d'une part, les apports de la commune, les apports de d'intervenants privés, enfin de propriétaires privés, et les apports construction de l'aménageur. L'aménageur établit ce bilan de ZAC et y introduit également un certain nombre de compensations qui vont se traduire par l'établissement de bâtiments publics, l'établissement de voiries, l'établissement de différents avantages pour le quartier, voire la commune. Et tout ceci va être établi, va être référencé, va être chiffré dans le bilan de ZAC, qui est révisable, bien sûr, mais qui prévoit qui prévoit l'équilibre qui est prévu au départ. Et donc la cession des terrains à 1 euro symbolique, certes, c'est 1 euro symbolique, mais à l'évidence, ça
était valorisé d'une autre manière dans le bilan de ZAC. Donc il vous suffit de reprendre en référence ce bilan de ZAC et de le travailler pour savoir ce qui s'est passé exactement. Même si vous trouvez donc dans cette opération des cessions à 1 euro symbolique, c'est par commodité et ce n'est pas par, par largesse municipale. Voilà, donc à vous maintenant de valoriser ce bilan de ZAC et de constater les échanges qui ont été faits entre les collectivités, car il n'y a pas que la ville, mais il y a également la communauté d'agglomération, il y a même l'État qui sont concernés, et vous verrez, donc normalement, vous trouverez un équilibre satisfaisant pour la collectivité, mais c'est vous qui êtes à la manœuvre maintenant, et c'est vous qui avez les capacités d'examiner ces documents très importants. Je reviens sur ce que vous disiez, Monsieur Piriou. Oui, j'ai écrit dans la tribune, avec mes collègues d'ailleurs, parce que je rappelle que c'est un document qui est publié par notre groupe et que l'ensemble de mes collègues et moi-même validons ces propos et d'ailleurs plus largement avec un certain nombre de personnes qui nous soutiennent en ville. Donc oui, j'expose un certain nombre de craintes. Elles sont exprimées sous forme de crainte, à savoir que, premièrement, le fait que vous acceptiez, vous semblez l'accepter, la mutation de la mutation future de la papeterie Hélio Corbeil, 3 hectares 9, valorisée à 15 millions d'euros, racheté par probablement un fonds de pension dont je ne connais pas le nom, mais qui est en liaison avec la SCOP Hélio. Donc, ces 15 millions d'euros, vous semblez accepter cette possibilité, alors que c'est le maire, je le répète bien, c'est le maire qui, grâce à son pouvoir sur l'urbanisme de la ville et demain sur le PLU, sur les modifications du PLU que vous pourrez apporter, va déterminer plus exactement ce qui va être réalisé, ce qui va pouvoir être réalisé, les potentialités de réalisation sur ce terrain de 3 hectares 9. 3 hectares 9, c'est pas beaucoup en surface. 3 hectares 9, c'est le quart de la papeterie. 3 hectares 9, c'est la moitié des terrains vacants sur le secteur de l'hôpital en surface. Et c'est en pleine ville, c'est en plein centre-ville. C'est entre la gare de Corbeil-Essonnes et le centre-ville historique. Alors, 15 millions d'euros, que vous le vouliez ou non, dès lors que vous allez accepter, et je ne peux pas imaginer que ni M. Bechter, qui avait préparé ce dossier avec M. Arasa, le patron de le président, je crois, de la SCOP Hélio, ni vous-même ne soyez d'une manière ou n'ayez dû accorder, des intentions de modification du plan local d'urbanisme. Sans vous référer à ces 15 millions d'euros. Aucun acheteur raisonnable ne va s'engager dans une promesse d'achat de 15 millions d'euros sans savoir ce qu'il va pouvoir faire derrière. Or, ce qui va devoir être fait derrière, ce qui va probablement devoir être fait derrière, déjà, c'est probablement la démolition des bâtiments de tout ou partie, mais on peut imaginer de la totalité des bâtiments de l'imprimerie. C'est le déplacement de l'entreprise. C'est derrière la construction de bâtiments. Alors, ils seront dédiés aux bureaux, ils seront dédiés au logement, ils seront dédiés à des équipements publics, ils seront dédiés à un centre municipal de technique. Ils pourraient être dédiés à un collège, si on réfléchissait un peu intelligemment, en se disant que finalement, c'est un quartier intéressant pour faire un collège, pour avoir une bonne cartographie de la répartition des collèges sur la ville. Mais on est obligé quand même de se dire de faire des opérations. C'est-à-dire, comment l'acheteur
va-t-il faire pour rentabiliser 15 millions d'euros d'achats? Ces 15 millions d'euros d'achat, alors je ne sais pas si ça comprend la démolition ou si la démolition viendra en su. Je ne sais pas si ça comprend la dépollution éventuelle ou si la dépollution viendra en su. Je ne sais pas s'il y aura des recherches archéologiques nécessaires, parce qu'on est quand même dans un secteur où il y a eu, dans les siècles qui nous ont précédé, un certain nombre d'activités humaines qui intéressent la ville. Je ne sais pas si c'est dedans. Bon, donc ça sera plus ou moins 15 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, 15 millions d'euros, si l'on fait effectivement référence au logement, tous les spécialistes nous répondent que pour rentabiliser 15 millions d'euros, il faut faire l'équivalent de 1200 logements, pour trouver un équilibre financier qui permette d'amortir les 15 millions d'euros. Donc voilà. Donc pour moi, et c'est ce que je dis dans mon article, et c'est ce que j'ai déjà dit dans l'article précédent que j'avais écrit sur le sujet, c'est vous, monsieur le maire, Bruno Piriou aujourd'hui, puisque c'est vous maintenant qui êtes à la manœuvre, qui allez décider et qui allez vous engager avec cet acheteur potentiel à réviser le plan local d'urbanisme pour autoriser ou non la réalisation de constructions qui vont permettre l'amortissement de 15 millions d'euros. C'est vous qui allez le faire parce que aujourd'hui, les critères qui gèrent ces 3,9 hectares d'Elio ne permettent pas aujourd'hui de construire les 1200 logements. Ils permettent de construire très peu de logements en comparaison. Ça, c'était ma première remarque. Deuxième remarque, les grands moulins de Corbeil-Essonne. Les grands moulins de Corbeil-Essonne, je suis inquiet. C'est-à-dire que dans mon esprit... Ah, au fait, j'oubliais de vous dire quand même que sur tous ces sujets que vous m'attribuez, d'une manière ou d'une autre, je vous rappelais que j'étais candidat aux élections municipales en même temps que vous, que j'ai fait une liste au premier tour, que dans cette liste au premier tour, moi et mes 45 collègues candidats, nous étions d'accord pour dire clairement que nous n'étions pas d'accord précisément avec ce que le maire précédent, que vous avez remplacé, avait imaginé sur ce secteur. Donc, Elio Corbeil, vous irez à la page qui convient de mon programme, que vous avez déjà lu, je le sais, et que vous pouvez relire à volonté, eh bien, vous y trouverez ce que nous voulions faire pour Elio, ce que nous voulions faire pour les grands moulins, ce que nous voulions faire pour l'hôpital. Et nous vous disions dans ce programme que 15 millions d'euros, parce qu'on le savait déjà, que 15 millions d'euros, ce n'était pas acceptable comme prix, parce qu'avec 15 millions d'euros, un investisseur ne pouvait déboucher que sur la construction de 1200 logements ou équivalents en surface commerciale, en surface laborieuse, diverses et variées. Concernant les grands moulins, nous vous disions dans notre programme, et je persiste, que parce qu'on était pressé, parce que Jean-Pierre Bechter était pressé, et parce que j'ai peur que vous soyez pressé aussi, monsieur le maire, eh bien, j'avais peur, je le disais, et je maintiens ce que je dis, j'ai peur que vous acceptiez tout de go les projets qui sont proposés par l'intermédiaire qui a choisi le groupe Soufflet pour étudier la partie des grands moulins qui nous intéresse, et que vous ayez envie de céder à ce que propose, je crois, Sogeprom, je crois que c'est la filiale immobilière de la Société Générale, et qui propose aujourd'hui plus ou moins de transformer en plus ou moins 80%, enfin, de transformer 80% des surfaces des grands moulins de Corbeil-Essonne en logement. Et quand je pense à logement, et que je fais le rapprochement avec parking, et que je sais qu'il y a il y aura fatalement des difficultés à créer des zones de parking autour des grands moulins ou dans les grands moulins, et ben ça me fait penser à 80% de logement social. Parce que logement social, la faculté sociale permet de
s'exonérer d'une grande partie des exigences de parking parce qu'on est à proximité notamment de la gare de Corbeil-Essonnes. Mais je pense que ce serait une grave erreur, parce que je pense que les grands moulins de Corbeil-Essonnes, c'est un bâtiment emblématique, c'est un bâtiment que dans les manuels de géographie d'il y a 30 ans, d'il y a 50 ans, on citait comme l'emblème de la ville de Corbeil-Essonnes, comme un fleuron à la fois industriel et architectural de la ville et de la France entière, et que transformer ces bâtiments en logements, bah, c'est les vouer à une destination ordinaire. Alors que les grands moulins de Corbeil-Essonnes, ça devrait être un emblème, ça devrait être un point d'attraction de toute la région pour amener à Corbeil-Essonnes des gens nouveaux qui viendraient visiter notre ville, qui viendraient y faire des activités particulières, qui viendraient y dépenser leur bon argent, ce dont nous avons besoin, plutôt que de venir habiter et d'avoir quelques habitants de plus, quelle que soit la qualité du logement qu'ils occuperaient. Donc j'ai peur, Monsieur Piriou, oui j'ai peur, et c'est ce que j'évoque dans ma tribune, j'ai peur que, pressé par le temps, pressé par l'envie de bien faire d'ailleurs, ou pressé par le fait que vous ne trouverez peut-être pas tout de suite, pas dans les 5 ans qui viennent, mais seulement plus tard, le moyen de financer des projets plus valorisants, plus d'ordre d'intérêt généraux, j'ai peur que vous alliez trop vite et que, effectivement, vous soyez enclin à accepter les propositions de 80% de logements sur ce site. Concernant l'hôpital, je vais en finir là. L'hôpital, alors je vous ai entendu dire que c'est vous qui aviez obtenu la fin du projet de 600 logements. Vous l'avez dit, vous l'avez déclaré dans votre réunion publique chez Créteil et Lio Corbeil. Donc les 600 logements qui avaient été prévus effectivement par l'agglomération et le maire de Corbeil-Essonnes et le propriétaire de l'hôpital, et contre lequel je me suis opposé d'ailleurs, ont été annulés, ont été arrêtés, non pas parce qu'on trouvait que c'était trop 600, mais parce que le promoteur trouvait que c'était pas assez. Pourquoi ? Bah parce que, bah comme par hasard, monsieur le maire, ah là là, vous vous rendez compte, on a trouvé de l'amiante dans l'hôpital. On a trouvé qu'il y avait un certain nombre de matériaux en construction, on a trouvé de la pollution, etc. Et donc, ah là là, vous savez, ça suffira pas 600 logements pour amortir la démolition et la reconstruction de cet ensemble. Alors j'ai d'ailleurs fait des propositions moi-même dans mon programme à ce sujet en disant que l'hôpital, à mon sens, devait rester ce qu'il est aujourd'hui, être transformé et non pas démoli, et qu'on devait valoriser les espaces verts qui se trouvent autour, notamment dans une grande coulée verte qui irait de l'Ermitage à la Seine. Quoi qu'il en soit, donc ce projet il a bien été annulé parce que 600 logements, ça suffisait pas. Et là encore, monsieur le maire, j'ai peur que vous soyez aussi pressé et que... parce que vous êtes pressé, que vous acceptiez des propositions qui seraient pas tout à fait conformes, en tout cas à la vision que je me fais de ce que doit être le Corbeil-Essonnes de demain. Donc voilà, c'est effectivement peut-être un procès d'intention que je vous fais, mais ce procès d'intention, j'espère qu'il va porter ses fruits, et j'espère que effectivement vous ne ferez pas ce que je crains que vous soyez, que vous ayez envie de faire ou que vous soyez obligé de faire. Pour des raisons que j'ai évoquées il y a quelques minutes. Je vous remercie. C'est agréable qu'on a le temps de parler en étant dans la minorité. Hein ? C'est, voilà. Ça nous permet, comme on est regardé, écouté par les Corbeil-Essonnois, par des moyens modernes de retransmission, d'avoir un débat politique. Mon exigence, Jean-François Bell, c'est que sous notre mandat, on ait une qualité de débat politique, qu'on se respecte et qu'on sente que dans nos interventions,
on serve l'intérêt général et la construction de projets, vous voyez, et qu'on ait des échanges. Et des fois, on est d'accord, et des fois, on n'est pas d'accord. L'alerte que je vous donne là, c'est que vous n'écrivez pas, Monsieur Bell, que vous avez peur. Vous écrivez, en réalité, Bruno Piriou sait qu'il va accepter les projets de transformation en logement d'Elio, des grands moyens et de l'hôpital. Vous ne dites pas que vous avez peur. Vous dites, vous savez que je vais accepter ce qui était dans vos tuyaux, ce que l'ancienne municipalité avait prévu. Soit, Monsieur Bell, vous ne serviez à rien quand vous étiez assis là. Et alors, vous ne serviez à rien. Soit, vous trichez, parce que vous dites que vous avez, vous dites pas que vous avez peur, vous dites qu'on va faire ce qui était prévu dans vos cartons de maire adjoint à l'urbanisme. Vous avez peur qu'on fasse ce que vous aviez prévu. Vous avez peur qu'on fasse des centaines de logements à l'hôpital. C'était votre projet. Non, ce n'était pas votre projet. Vous l'avez présenté en réunion publique, ou alors vous présentiez sous la contrainte. Mais vous étiez maire adjoint à l'urbanisme. J'ai fait une réunion publique à la Péniche avec vous, où vous avez présenté le projet de l'hôpital. Dites pas le contraire, j'y étais. Bon, attendez, après on va passer un peu à autre chose, si vous êtes gentil. Donc l'hôpital, c'était votre projet, d'accord? Et vous étiez aussi élu dans cette majorité quand a été tartinée la papeterie. Vous allez, excusez-moi, j'écoute tous les conseils, d'accord? N'importe quel architecte urbaniste, à commencer par les habitants qui y vivent, nous disent on nous a vendu du rêve. Donc, avant d'écouter vos conseils pour savoir comment on va faire à l'hôpital, à Elio et au Grand Moulin, excusez-moi, on va aussi en écouter d'autres, mais on écoute les vôtres. Mais donc, c'était... Donc, la papeterie, c'est vous, mon conseil. Faites une réunion à mon conseil. Les gens n'en peuvent plus des constructions. D'accord? Donc, vos projets, quand vous étiez maire adjoint, c'était déjà ce que vous avez fait, votre passif. Mon conseil et la papeterie, c'est vous, Monsieur Bell. Le déclassement de la montagne d'Aiglaise, qui était classée Osdrif en espace vert pour tartiner, c'était vous, Monsieur Bell. Quant à vos projets, quand vous étiez maire adjoint, c'était des centaines de logements à l'hôpital. Il a fallu s'apercevoir qu'il y avait de l'amiante dans l'hôpital pour que ça fasse capoter l'économie du projet. Si. Et donc, depuis que je suis maire avec mes collègues, nous avons obtenu, j'ai rencontré le patron de la COGEDIM et a dit, je ne ferai pas. Effectivement, je ne peux pas faire ce que le maire ne veut pas. Je ne veux pas. Les élus ne veulent pas. La majorité ne veut pas ce qui était dans vos tuyaux. Et donc, je vous annonce que le projet que vous aviez prévu, Monsieur Bell, quand vous étiez maire adjoint à l'urbanisme, n'aura pas lieu. Un. Deux. Les grands moulins, je vois en face de moi Hélène Pavamani, à qui ce dossier est cher, mais comme tous les élus de la majorité, Hélène Pavamani a assisté avec moi et d'autres élus, évidemment Martine Soavi et d'autres, à une réunion dans les Grands Moulins, depuis que nous sommes maires, où nous avons dit à la famille Soufflet, le projet que vous aviez lancé, vous étiez bien maire adjoint de Jean-Pierre Bechter, non? Le projet, c'était la construction de centaines de logements et rien d'autre. C'était la seule commande. Hélène, Martine et d'autres ont assisté à une réunion, il y en a eu plusieurs, où on a dit, là où Jean-Pierre Bechter était pressé, nous, on va prendre le temps. Et donc le projet qui était dans vos tuyaux, ça permet, comme on nous écoute, que les corbeillers saunois soient informés de ce que nous travaillons, non pas de ce que nous décidons pour l'instant. On décide de prendre le temps. Et on a dit à la famille Soufflet, on va vous faire une autre proposition. Et le groupe que vous nommez, vous serez peut-être des surprises, ça sera peut-être pas lui qui le fera, puisque on se donne la possibilité de faire porter le projet des Grands Moulins par un autre porteur que celui que vous aviez prévu, qui voulait faire que des centaines de logements. Troisième dossier, la promesse de vente d'Elio Corbeil a été signée quand vous étiez maire adjoint à l'urbanisme. D'accord? Donc, celui qui a signé la promesse de vente pour 15 millions, il l'a fait quand Jean-Pierre Bechter était le maire, et pas moi, et vous, maire adjoint à l'urbanisme. Je ne sais pas ce que vous vous disiez ou pas avec Jean-Pierre Bechter, mais vous étiez maire adjoint à l'urbanisme. Si Jean-Pierre Bechter a laissé signer une telle promesse de vente pendant que vous étiez maire adjoint à l'urbanisme, vous n'avez qu'à vous en prendre à vous, ou à Jean-Pierre Bechter. D'accord? Donc, ce que je vous dis sur Elio, c'est que d'abord, le prix, ce n'est pas moi qui le fixe, et que, en l'occurrence, il y a une centaine de salariés, il y a une centaine de salariés qui vivent d'une imprimerie. Et que pour qu'il y ait
un nouveau projet industriel porté par les salariés de cette SCOP, il faut qu'ils tirent un bénéfice de la vente de leur terrain. Et il y a d'abord un débat, ça c'est un débat, c'est pas un procès d'intention, c'est que les salariés, il y a même débat entre eux sur ce qu'ils vont faire de cet argent. La majorité, notamment le directeur de l'entreprise, avec ses coopérants, la coopérative, veulent refaire un autre projet industriel. Ce sera de notre responsabilité, la ville de Corbeil-Essonnes, d'avoir un dialogue, et je me rends compte qu'il est possible de dialoguer, ce que manifestement vous ne saviez pas faire. L'hôpital, ce ne sera pas ce que vous aviez prévu. Les grands moulins, ce ne sera pas ce que vous aviez prévu. Hélio, ce ne sera pas 1200 logements, je ne sais quoi. Ce sera sur ces trois projets de la ville. Et la garantie, Monsieur Bell, que ce soit de la ville, c'est que les habitants soient au cœur de la définition de ces projets. J'ai, en 25 ans, jamais assisté à une réunion dans cette ville où on nous a dit, voilà, il y a une opportunité qui se présente, on pourrait en discuter avec les habitants. Jamais. On nous a toujours réunis, rarement, je le redis, je pense à Oumar Dramé qui est à ma gauche, je pense au Tarteret par exemple, combien de réunions publiques au Tarteret ces 5 dernières années, alors qu'on arrive et qu'il est prévu la démolition de 700 logements, la construction presque d'autant, etc. Où les habitants vont discuter de tout ça? Donc vous voyez, quand on fait Imagine Corbeil-Essonnes, ça sert à écouter les habitants, à écouter. Le Covid nous gêne, puisqu'on ne peut pas se réunir comme on souhaiterait, mais je peux vous assurer que Covid ou pas, Monsieur Bell, aucune décision ne sera prise sur ces trois dossiers sans que les habitants aient pu donner leur avis. On ne leur demandera pas leur avis sur ce qu'on a décidé, on en discutera avec eux. Donc, il est faux d'écrire, Monsieur Bell, dans le bulletin municipal, qu'en réalité, Bruno Piriou sait qu'il va accepter vos projets. On a été élu pour faire d'autres projets que les vôtres. Voilà. Mais si vous le voulez bien, attendez, Monsieur Bell, on peut avancer aussi, parce que sinon... Mais attendez. Moi. Alors, allez-y, deux minutes, et après on revient à la délib. Donc, premièrement, j'invite la population à relire notre document, notre programme, qui a manifesté clairement, qui a manifesté clairement notre désaccord avec le maire, et c'est ce qui a motivé notre candidature. Donc vous avez la preuve par l'écriture que ce que vous dites, monsieur, est inexact, et que nous étions bien en désaccord avec ces projets, et que c'est bien ces projets qui ont motivé notre candidature. Ça, c'est la première chose. Donc je n'accepte pas la façon dont vous essayez, mais bon, ça ne trompe personne, de me faire porter à moi tout seul, petit maire adjoint de l'époque. Je ne vous le fais pas dire. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que je ne souhaite qu'une seule chose, cher monsieur Piriou, c'est que, je vous prends au mot, que je me sois trompé dans ce que j'ai écrit. Mais je répète ce que j'ai dit. Je vais refaire une petite démonstration sur Hélio. La valeur d'Hélio. Moi, je préfère donner la parole à Hélène Pavabé. La valeur de 15 millions d'euros. Vous souhaitez peut-être que les Corbeil-Essonnois n'entendent pas ce que j'ai à dire. C'est possible. La valeur de 15 millions d'euros, c'est vous, monsieur le maire, qui l'a fixé indirectement en autorisant ou non la future utilisation par le plan local d'urbanisme que vous ne manquerez pas de modifier, qui autorisait ou non la valeur de 15 millions d'euros de ce terrain. Je prétends, et je pense que c'est très facile à vérifier, que si l'objectif était de ne construire par exemple qu'un tiers ou que la moitié des 1200 logements ou leur équivalent dont je parle, Monsieur Bell, ça repose Monsieur sur vous, Bell, et c'est vous, par les décisions que vous prendrez et que vous ferez voter par le Conseil, je vous l'accorde, les décisions que vous prendrez en matière d'occupation des parcelles en question par la construction de demain, qui décidez de la valeur de cette parcelle. 15 millions d'euros correspond à une certaine capacité de construction. Si vous décidez que cette capacité de construction est inférieure de moitié ou inférieure d'un tiers, de deux tiers, eh bien, le prix
de valorisation d'achat, la promesse de vente qui a été faite ne peut pas tenir et les 15 millions d'euros doivent se transformer en 7 millions d'euros ou en 5 millions d'euros pour pouvoir être compatibles avec les décisions que vous prendrez et qui, à mon avis, seraient approuvées et par moi, d'une part, et surtout par la population qui, à mon avis, ne souhaite pas avoir une telle densité de construction sur le secteur. Merci. Monsieur Bell, vous réussirez avec nous ce que vous n'avez pas réussi quand vous étiez maire adjoint avec Jean-Pierre Bechter. Voilà. Petit maire adjoint. Hélène, tu voulais dire un petit mot. Après, je vous invite à ce qu'on continue, mais je souhaite que cette enceinte ne soit pas qu'une enceinte où on avalise, voilà, mais qu'il y ait des débats. Et là, il y en a eu un. Hélène ? Oui, je voulais dire qu'il y a un projet qui s'appelle Action Cœur de Ville. Et donc, le projet d'Elio s'insérera dans un programme Action Cœur de Ville. Ce programme a commencé en janvier 2018. Nous sommes en 2020 et on n'a pas bien vu ce que vous souhaitiez faire de ce programme auparavant. Donc, nous sommes en train de réfléchir à un programme Action Cœur de Ville. Voilà, c'est une réponse possible. Voilà, merci. Alors, pour continuer, Martine voudrait souhaiter... pour qu'on avance deux précisions sur la délibération. Deux précisions, en fait, sur les permis qui ont été accordés depuis que nous sommes arrivés aux manettes. Nous avons accordé 7 permis de construire, 5 pavillons et 2 extensions. Voilà. Nous avons refusé des permis de construire, l'équivalent entre une fourchette de 912 et 944 logements. Ça, c'est depuis le 4 juillet, hein, d'accord ? Et rien que pour l'année 2020, vous avez signé l'accord pour 1073 logements. C'est QFD. Voilà. Merci, Martine. Oui, mais bon, tu es une grande maire adjointe à l'urbanisme. Voilà. Et nous en sommes très, très heureux. Merci, Martine. Alors, on vote ? On vote. Qui est pour ? Ah, c'est toi qui dis ça, pardon. Non, mais tout le monde est pour, est tellement grande que, hop, tout le monde est pour et tout le monde est là, même Jean-François Bell, c'est formidable. Alors, on avance, merci Martine, tout le monde est pour, hein. On ne s'est pas trompé, pas d'abstention, pas de vote contre, pas d'erreur. Madame Capron, vous voulez rajouter quelque chose ? Je voudrais juste, alors, notre équipe, effectivement, vote pour, sauf Madame Ketfi, qui, elle, vote contre. D'accord, très bien. Je vous remercie. De la diversité, c'est très bien dans les votes, c'est parfait. Alors, Frédéric Bourges. Bonsoir. Actualisation du tableau récapitulatif des indemnités de fonction allouées aux élus municipaux approuvées le 16 juillet 2020. Oui, bonsoir. Donc, suite à la démission de M. Bechter donc, et l'installation donc, de M. Régis Caudron, que nous avons procédé en début de conseil, cette délibération vise donc à actualiser le tableau récapitulatif des indemnités de fonction qui est allouée aux élus municipaux, en particulier l'annexe qui porte sur la répartition des montants mensuels attribués à chaque élu pour pouvoir faire cette modification. Cette délibération et cette modification n'a aucune incidence ni sur l'enveloppe globale indemnitaire, ni sur les indemnités de fonction attribuées aux autres élus municipaux, qui a donc été faite le 16 juillet 2020. Merci Frédéric. Des remarques ? Des questions, remarques ? Monsieur Caudron, vous êtes d'accord ? C'est vous le bénéficiaire ? Tout à fait. Très bien. Donc, merci. Donc on procède au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient le jeu, alors, Monsieur Caudron, qui est tout à fait d'accord, il s'abstient aussi. Vous comptez Non, il ne s'abstient pas, Monsieur Caudron. Alors, du coup, on va compter. Les abstentions. Les abstentions. Il y en a combien ? Deux chez Monsieur Bell, trois, quatre avec Madame Ketfi, c'est ça ? Et Monsieur Volcan, qui vient de s'absenter aussi. Ah oui, bon, alors on ne prend pas les votes de ceux qui s'absentent, je suis désolé, on va faire les choses réglementairement. Donc ça fait 4 et 2, 6, on est d'accord ? Voilà, 6 abstentions. Tout le monde est pour, par ailleurs. Qui est pour ? Merci bien. Merci Frédéric. Toujours toi, Frédéric, oui. Prime 2020.
Donc c'est une prime qui s'inscrit donc dans une certaine continuité précédente. J'ai retrouvé un peu ce qui est dans la délibération. Hein, donc on va dire que c'est une prime qui est les résultats. C'est une prime qui est associée aux résultats. Donc, dont l'origine, on va dire, c'est la série du régime indemnitaire qui a commencé en 2000, 2002, 2003, 2005, 2004 également. Et là, donc, la dernière délibération qui a institué cette prime avec le montant de 200 € brut pour les agents, donc date de 2007. Donc, nous vous proposons avec cette délibération donc d'acter le versement de cette prime de 200 € brut pour l'année 2020. En sachant que nous aurons l'occasion en janvier et février de revenir sur dans les discussions que nous aurons et auprès des agents ainsi que le comité technique avec les élus de la majorité et de la minorité de faire le débat sur l'ensemble du nouveau régime indemnitaire. Donc je pense qu'à cette occasion-là, nous pourrons être amenés à refaire le point sur l'ensemble de ces primes et ces indemnités, notamment sur celle-ci qui est quand même, certains considèrent que ça peut être une prime liée au résultat qui n'a pas bougé dans son montant depuis maintenant 13 ans et qui peut être modifiée, en tout cas réinterroger l'intérêt et le sens de cette prime qui est lié au résultat. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur là-dessus ? Jean-Luc Raymond. Oui, c'est dans ce sens que je voulais intervenir. Monsieur le maire, je me souviens que quand vous étiez dans l'opposition, vous êtes toujours battu à juste titre pour défendre les intérêts des agents municipaux. Vous aviez, au sujet de cette prime, même demandé que son montant soit réévalué. Donc symboliquement et surtout au vu de la crise que nous traversons, ne serait-il pas le moment de le faire? Alors, je donne mon avis, Frédéric, je réponds. Oui, donc on n'a pas envisagé sur cette prime d'avoir une réactualisation à la hausse. D'une part parce que, comme je vous le disais, il y aura un réexamen et une refonte assez notoire de ce régime indemnitaire en janvier et février. On n'est pas forcément hyper en avance sur ce sujet parce que ça commence à dater. D'autre part, la prime Covid qui va intervenir pour un certain nombre d'agents d'ici la fin de l'année. Et il y a en même temps un reliquat que nous examinons d'agents qui souhaitent bénéficier, y compris d'une autre prime. Donc on est en train, ce qu'on souhaiterait, c'est de pouvoir effectivement finir cette année 2020 donc dans les meilleures conditions possibles. On essaye, je pense que pour l'instant, sous le regard de Sylvain Renard, on aura donc pour l'ensemble de l'année 2020 tenu les engagements budgétaires qui étaient d'ailleurs les vôtres en début d'année. Donc on est plutôt dans ce cadrage-là. Nous souhaitons continuer, c'est-à-dire de maintenir ce qui avait été fait, et je tiens à le redire pour l'ensemble des élus, mais d'abord beaucoup pour les agents, c'est que la municipalité a maintenu l'intégralité des rémunérations durant toute la période du Covid. C'est encore le cas en ce moment, ce qui fait que personne n'a perdu, y compris les vacataires, sur l'ensemble de la rémunération. Voilà, c'est des éléments que je voulais vous donner comme appréciation. Donc sur cette prime-là, la question qui sera posée, c'est quand même le fait que c'est une prime qui est de résultats et des efforts réalisés. C'est pas sûr qu'elle aura la même intitulée, la même vocation. Donc après, si c'est qu'une question d'argent, ça représente, à la louche, hein, je pense que c'est autour de 150 000 ou 180 000 euros. L'ensemble des éléments de rémunération qui sont faits à ce jour, je pense, sont tout à fait satisfaisants. Pour te préciser ce que a très bien expliqué Frédéric, voilà, notre intention, c'est qu'on ne décide rien qui n'ait pas été débattu quand c'est avec la population et la population, quand c'est avec les agents. D'accord ? Cette prime-là, et la nature de la prime, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, c'est une prime annuelle versée en fonction des résultats budgétaires obtenus en fin d'année. C'est-à-dire que c'est une prime qui nous correspond pas bien à notre vision de ce qu'est une commune. En gros, ici, on fait rentrer Michel, excuse-moi. On fait rentrer une prime comme dans une entreprise privée. En gros, la mairie aurait des bons résultats financiers, on donnerait une prime. C'est ça que ça veut dire. En l'occurrence, on n'a pas pour l'instant état des bons résultats financiers de la commune. Nous avons été
avec Sylvain Renard, reçu par le préfet il y a quelques semaines, pour faire un point de ce qu'on a trouvé, le préfet nous a dit être inquiet de ce qu'on trouve dans le budget de la ville. Le préfet n'est pas content de l'état des finances de la ville de Corbeil tel que M. Bell et ses colistiers nous l'ont laissé. Le préfet qui parle. Il a dit être inquiet. Et pourtant, il y aurait un résultat budgétaire suffisamment intéressant pour que ça intéresse le personnel. Vous comprenez bien que ça nous fait réfléchir. Mais c'est une prime qui arrive à ce moment-là de l'année et nous ne souhaitons rien arrêter qui n'ait été débattu avec le personnel et leurs représentants. Donc ce que dit Frédéric, je le dis avec mes mots, c'est que les agents ne seront pas moins payés, rémunérés à l'avenir avec la nouvelle majorité, mais on souhaite revoir le système des primes avec eux, avec leurs représentants, pour qu'ils nous paraissent être plus justes, mieux fondés que l'intéressement d'une commune. Nous ne sommes pas une entreprise privée et nous ne souhaitons pas le devenir. Et comme l'a dit Frédéric, il y a des primes promises par l'ancienne municipalités qui n'ont pas été honorées, une prime Covid et une prime, tenez-vous bien, déménagement du Darblay. Et pour nous, ça commence à tarder. Et donc, comme on veut discuter de tout ça avec les agents et leurs représentants, on propose d'avoir une nouvelle refonte des primes. Il ne s'agit pas de donner moins d'argent, je rassure ceux qui pourraient être inquiétés, mais d'avoir un système de primes qui nous paraisse plus équitable, mieux fondé dans leurs déterminants. Voilà. Donc, à cet instant, on valide la prime, donc on n'en donne pas moins. Pour en donner plus, on se donne le temps de travailler avec les agents. Hein, voilà. Frédéric, mais moi, je remercie monsieur Raymond d'avoir cette sensibilité, cette attente d'une meilleure valorisation du pouvoir d'achat des fonctionnaires. Et je pense que c'est tout à fait dommageable que du blocage du point d'indice dans la fonction publique, qui du coup nous pose, y compris nous au sein de la collectivité territoriale, des difficultés, parce que nous souhaiterions pouvoir effectivement aller beaucoup plus loin dans des politiques salariales, mais on est coincé par les rigueurs budgétaires de l'État avec tant le blocage du point d'indice que les dotations globales, qui nous amènent en fin de compte à des difficultés où on souhaiterait nous-mêmes les premiers pouvoir aller dans le sens d'une meilleure reconnaissance et valorisation du travail des fonctionnaires. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Oui, Sylvain, je crois. Dit autrement, Jean-Luc, tes accointances, et il n'y a aucune ironie dans mes propos, avec le pouvoir actuel qui refuse d'augmenter le point d'indice, si tu peux faire quelque chose, ça nous arrangerait bien. C'est un peu ce que voulait dire Frédéric, mais ce que tu veux pour les agents publics de Corbeil, il le faut pour les agents publics à l'échelle du territoire. C'est pas les enseignants qui me diront le contraire, Oscar Segura, Rénal, Jourdain. Monsieur Renard. Oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais je trouve quand même très étrange qu'on mesure la qualité du travail des agents par l'argent qu'ils n'ont pas dépensé. On pourrait faire exactement l'inverse. Je prends l'exemple parce que j'ai Oscar Segura à côté de moi. On pourrait penser que s'il reste de l'argent au terme d'un exercice budgétaire à la culture, ce n'est pas une très bonne chose. Ça veut dire que des actions qui auraient pu être faites n'ont pas été faites. Et par exemple, le fait qu'on fasse un spectacle de plus, le personnel travaille pour établir un nouveau spectacle, sa programmation, pour embaucher, pour réaliser le spectacle, alors ça diminue leur prime, parce qu'il y a moins d'argent en fin d'année. Donc on pourrait raisonner tout à fait à l'inverse et dire le budget doit être dépensé au profit des habitants. Alors je ne dis pas que c'est valable dans tous les cas, mais enfin l'idée d'indexer une prime sur un résultat budgétaire, c'est... Je m'excuse, je vais employer un mot grossier à l'heure actuelle, mais je crois quand même que c'est une idée de droite. On est d'accord. Bon, écoutez, Frédéric Bourges, on passe au vote. S'il n'y a pas d'autres remarques, on passe au vote sur cette délibération de cette prime 2020. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Tout le monde. Unanimité sur ce point. Merci. Merci Frédéric.
fixation du montant forfaitaire des vacations des enseignants intervenants dans le cadre du dispositif Colonie apprenante, c'est encore toi. Voilà, donc cette délibération est indispensable pour fixer le taux horaire brut de vacation et donc il est proposé au conseil municipal de fixer dans ce taux donc dans le cadre du dispositif cité éducative à 39,91 €. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? C'est bon? Non, bon, qui s'abstient sur cette délibre? Qui est contre? Qui est pour? Très bien. Okay. Merci. Toujours toi, ce coup-ci, sur Alors, les colonies apprenantes. La même chose sur le point 7.4, donc de la fixation du montant forfaitaire des vacations des enseignants qui interviennent dans le cadre du dispositif colonie apprenante. Donc, c'est pour fixer à 100 € brut par jour, qui complète ainsi la liste des types de vacations pouvant être sollicitées pour les besoins ponctuels des services municipaux. Encore, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qui s'abstient sur cette délibération? Qui est contre? Qui est pour? Merci Frédéric, tout le monde. Encore toi sur les modifications relatives à la carrière de certains agents communaux. Oui, bah ça c'est pas chaque conseil, mais presque. Donc c'est les modifications relatives à la carrière de certains agents communaux. Donc il y a 4 postes de rédacteurs qui sont créés au sein des directions affaires sociales, scolaires et ressources humaines. Je prends mes petites notes. Donc il y a 2 postes de rédacteurs en charge de mission, un sur le secteur scolaire qui concerne la réflexion que nous voulons engager, que nous avons engagée maintenant et les études qui pourraient y être associées liées à la restauration scolaire. Et le deuxième poste de rédacteur en charge de mission sur l'ensemble des questions sociales qui est un sujet sur lequel nous voulons aller beaucoup plus loin sur les politiques sociales. 2 autres postes de rédacteur donc sur les 4 qui concernent le secteur des ressources humaines. Ensuite, les 2 autres postes, c'est le poste qui est au sein des services jeunesse. Et enfin, sur le directeur général adjoint des services, il y a déjà 3 postes qui sont créés mais non pourvus. Nous engageons donc la création de ce 4e poste, en quelque sorte, pour anticiper, mais des choses qui ne sont pas du tout décidées, d'une réorganisation de l'administration des services qui viserait à remettre en place un certain nombre de directeurs généraux adjoints auprès du DGS. Donc c'est pour anticiper, pour ne pas être au moment où, s'il y a une décision qui est prise, pouvoir être bloqué. Donc à ce jour, cette création de poste n'a pas à être pourvue, mais elle pourrait l'être d'ici dans les prochains mois dans cette réorganisation. Voilà. Merci Jean-Luc. Questions, des remarques? Oui, monsieur le maire, concernant les embauches, vous êtes en train d'embaucher de nombreux chargés de mission, des amis à placer, des amis à remercier, peu importe, ce n'est vraiment pas un problème pour moi. Contrairement à monsieur Bell et aux membres de son groupe qui, dans le dernier Vivre à Corbeil-Essonne, stigmatise avec la suffisance et le mépris qui les caractérise la profession d'un de ces chargés de mission. Je pense que l'on peut être commerçant, patron de bar, épicier, enseignant, étudiant, demandeur d'emploi, retraité et peut-être même croque-mort pour occuper un tel poste. Ce n'est pas la profession qui me pose problème, c'est juste la compétence de chacun dans leur domaine respectif. En l'occurrence, monsieur le maire, votre chargé de mission à la cantine scolaire est-il apte à mener à bien l'instauration de 50% de bio d'ici la fin de votre mandat ou à étudier et élaborer le passage en régie municipale de nos cantines? Votre chargé de mission à la culture est-elle apte à mettre en place une véritable politique culturelle pour notre ville inexistante sous l'ancienne municipalité? Votre chargé de mission au transport est-il apte à se pencher sur les problèmes de circulation dans notre ville et sur les problèmes de retard et de confort de notre RER D? Votre chargé de mission aux affaires sociales est-elle apte à pouvoir aider les plus démunis à créer une épicerie sociale, à lutter contre les marchands de sommeil et à faciliter l'accès aux logements sociaux? Votre chargé de mission au développement durable est-il capable de vous aider à mettre en place une véritable transition écologique et sociale,
à favoriser des nouvelles habitudes de consommation, de travail, de production, afin de répondre aux grands enjeux climatiques et environnementaux. Je vous demande juste, monsieur le maire, de bien vouloir nous communiquer leur CV, leur parcours, afin de nous assurer qu'ils sont légitimes sur ce poste. N'oublions pas, monsieur le maire, que ce sont les corbeillers saunois qui les rémunèrent avec leurs impôts. Écoutez, Jean-Luc, d'abord, je partage la première remarque de ton intervention et désapprouve, mais monsieur Bell a le droit d'écrire ce qu'il veut. Mais si le but était de blesser certaines personnes, monsieur Bell, vous avez réussi. Et je ne sais pas, Jean-Luc, si je m'adresse à un tenancier de bar ou un restaurateur. Oui, je ne sais pas. Je m'adresse à un conseiller municipal. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas forcément prévu que ce débat sur le tenancier de bar vienne, mais je me sens responsable pour les 6 années à venir du respect des personnes. Et quand on parle ainsi de tenancier de bar dans une tribune, en s'interrogeant sur les capacités à être à la fois tenancier de bar et chargé de mission des affaires scolaires, c'est un propos qui montre que l'intérêt de celui qui l'écrit n'est pas la qualité de ce qui se passe ce qui se passera en matière de restauration scolaire. Sinon, tout cela n'aurait pas été vendu à la Sodexo. Donc c'est un propos qui vise à blesser et à rabaisser le débat politique. Vous avez réussi. Pour ce qui est de vos questions, et j'en partage l'interrogation, ce que je dis, c'est que ça fait 4 mois que nous sommes là, Jean-Luc. Nous avons travaillé avec le personnel, je crois, celles et ceux qui se trouvent d'ailleurs derrière moi, pour la plupart, étaient là il y a 4 mois avant que nous arrivions. Et nous travaillons correctement avec l'ensemble du personnel communal qui travaille. Avec ceux qui ne travaillent pas, ça se passe différemment. On l'a prouvé, tu étais à l'origine de 2 questions, nous avons répondu sur d'autres, de précédentes mises, suspensions, quoi. D'accord ? Et nous continuons d'avoir une politique RH exigeante. On n'a pas de mal à faire mieux que ce que nous avons, ce qui se passait sous Jean-François Bell. Je l'ai dit d'ailleurs, ça me permet de redire quelque chose. J'ai réuni les directeurs des services la semaine dernière. Il faut se battre pour continuer à repérer des agents qui sont payés et qui ne viennent pas. Je le dis à monsieur Breton aussi, puisqu'il avait posé la question il y a un mois. C'est pas si facile. Et donc on souhaite au bout de 4 mois, effectivement, que tous les agents payés viennent travailler. Sous votre mandature, messieurs, ce n'était pas le cas. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Et je l'ai dit au directeur, je suis allé avec le Premier ministre et le ministre de la Santé à l'hôpital sud-francilien la semaine dernière, à les recevoir, les ministres. J'ai pu voir, dans la période difficile que nous vivons, ce qu'étaient des fonctionnaires que souvent nous blâmons, pour lesquels les politiques publiques nationales depuis des années trouvent qu'il y en a trop. Je peux vous assurer, il n'y a pas trop de fonctionnaires à l'hôpital sud-francilien. J'ai vu des femmes et des hommes, infirmières, médecins, au front de la lutte contre le Covid, ce pourquoi, et je les en remercie, j'aurais d'autres choses à leur dire, et je leur ai dit d'ailleurs, je remercie le Premier ministre d'être venu pour la 2e fois à Corbeil-Essonne en 4 mois, mais surtout d'être venu avec le ministre de la Santé, saluer, prendre l'écoute de fonctionnaires au front. Michel Noailles a organisé avec l'ensemble des élus de la majorité la rentrée scolaire et nous avons vu des enseignants et des enseignantes, des personnels communaux au front pour faire face à la rentrée scolaire dans des conditions difficiles. Il est hors de question pour nous que l'ensemble des employés communaux ne soient pas au front. Avec le sourire, moi je souhaite qu'on vienne travailler avec le sourire, qu'on y prenne du plaisir, mais qu'on vienne travailler. Nous sommes en train d'agir pour que tous ceux que vous avez embauchés, Monsieur Bell et Monsieur Breton, dans les années passées, viennent travailler. Je suis honnête, c'est pas encore le cas. Y compris parce qu'il faut les trouver, il faut qu'on le sache, il faut que quand on sache, les cadres ne soient pas menacés, c'est encore le cas. Donc voilà, c'est compliqué, vous voyez ce qu'on trouve ici.
Et malgré tout, nous essayons de travailler avec tout le monde. Et nous respectons les agents qui sont à la ville de Corbeil depuis des années, avec lesquels, il me semble, nous travaillons correctement dans le respect. Pour celles et ceux que nous embauchons, je te rassure, je préfère ta question posée en forme d'interrogation. On ne donne pas de nom ici. Hein. Maintenant, tout le monde sait qu'il y a un tenancier de bar, à vous de le trouver. Toutes les personnes que nous avons embauchées sont compétentes, ce pourquoi nous les avons embauchées. Par exemple, tu n'as pas postulé Jean-Luc, mais je peux penser qu'en matière de restauration, tu en connais un rayon. Et d'accord ? Bon. Et donc, on peut avoir une vie passée dans un travail et avoir acquis, au fil des années, des compétences qui permettent de changer de travail. Et c'est ce que nous faisons. Il y a des personnes qui, pour certaines, étaient déjà fonctionnaires et ont muté. Je pense, par exemple, à la personne que nous avons recrutée pour s'occuper de transport. C'est une personne qui est mise en détachement de la SNCF et qu'on connaît un rayon en matière de ligne D du RER. D'accord ? Voilà pourquoi nous l'avons embauché. Je peux vous assurer que depuis qu'il est là, nous y voyons un peu plus clair et qu'on va pouvoir tenter de se battre pour améliorer les conditions de transport des Corbeilles et Saulnois. C'est vrai sur chacune des chargés de mission que nous avons embauchés. J'en suis fier. Voilà. Donc, on pourra en discuter. Je ne donne pas d'identité ici. Et je souhaite qu'à l'avenir, il n'y ait pas d'attaque personnelle. En tout cas, je m'en porterai de garant. Ceux qui en feront, comme c'est le cas de cette tribune, eh bien, il faut que nos débats élèvent le niveau de sorte qu'il n'y ait pas de tels écrits à l'avenir. Tenancier de bar, il me semble que Jean-François Bell a souvent fréquenté. Je vous propose d'avancer sur ce sujet, Monsieur Picard. Oui, est-ce qu'on peut, à l'occasion de ces attaques qui ne sont pas très dignes, peut-être avoir une réflexion prospective sur la fonction publique? J'aimerais la voir, puisqu'on a dit qu'on avait des débats politiques ici. Bon, il se trouve que j'ai fait en gros un tiers de ma carrière dans le privé, un tiers dans la fonction publique et un tiers à mon compte. Et moi, je me désespère que l'organisation de l'État ne permette aussi peu aujourd'hui les différentes fonctions publiques de communiquer à des gens qui sont dans la fonction publique hospitalière d'aller travailler ailleurs, dans la fonction publique d'État d'aller dans les départements. Vous savez que c'est tout ça extrêmement compliqué. Mais les réflexions que j'ai eues tout au long, et alors que j'ai une haute idée de la fonction publique, du service qu'elle rend, j'ai toujours considéré qu'il était intéressant dans une collectivité que du 109 puisse arriver des gens qui n'ont pas le parcours de la fonction publique territoriale, puissent, sur les sujets particuliers, à un moment donné, ensemencer, irriguer, enrichir la collectivité et ses fonctionnaires. Donc ça ne me choque absolument pas, et je suis partisan qu'on puisse, à un moment donné, sur les thématiques sur lesquelles il n'y a pas forcément de ressources internes dans la collectivité, aller chercher des gens qui étaient dans le privé, par exemple, et qui puissent amener un 109, amener une vision, amener une dynamique très particulière sur ces sujets. Et pour terminer là-dessus, je dis que j'ai commencé à travailler avec le chargé de mission de développement durable, le chargé de mission transport dont tu parlais, Bruno, et que c'est un vrai bonheur. Merci pour lui, Jacques. Je pense qu'on peut avancer parce que le débat se situe au niveau du caniveau, ça finit souvent dans les égouts et j'ai envie du contraire. Frédéric Bourges, à toi la parole. Oui, mais je pense qu'il y a une attente qui est légitime de sérieux lié à des projets que nous engageons. Nous avons un suivi budgétaire et des effectifs tout à fait corrects avec un point hebdomadaire pour pouvoir justement avoir une bonne maîtrise de tous ces éléments-là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur ce point ? Je propose qu'on avance. Donc qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc, il y a du contre. Voilà, on a noté, on a pu noter. Vous avez noté contre, c'est bon ? Contre. Et merci. Monsieur Bell, c'est contre. D'accord. Deux. Et donc, qui est pour ? Les autres. Merci, Frédéric. Merci beaucoup. Puisque nous parlions de restauration, je crois que c'est à Michel Noailles de parler de la délégation de services publics relative à la restauration scolaire. Oui, donc, avant de vous lire la délibération qui comporte quelques données chiffrées, je voudrais en donner le sens.
Évidemment, il s'agit pour nous de régulariser la mise en œuvre de la convention qui nous lie avec la Sodexo jusqu'au 31 août 2022 au titre de la restauration scolaire et de la restauration municipale. Puisque en 2020, nous avons vécu déjà deux périodes qui ont eu des effets sur la restauration, la période de confinement et la période de déconfinement qui a été une reprise partielle et pour une part limitée des activités scolaires et donc de la cantine. Voilà, donc ces deux périodes très dures ont eu des effets sur l'activité et il s'agit de régulariser les contributions de la commune ou les contributions de la Sodexo. De ce point de vue, rassurons-nous, au bout du compte, ça aura plutôt un effet positif pour la commune, autour d'un montant de 180 000 euros pour la restauration et 150 000 au titre des goûters. Enfin voilà, donc ça devrait plutôt être un dû au bénéfice de la commune. Alors maintenant, je vous lis la délibération. Il est proposé donc au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 4 au contrat d'affermage conclu avec la société Sodexo pour la restauration scolaire et municipale afin de régulariser l'incidence financière au titre de la période d'état de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 pour un montant de 452 525,95 € hors taxes, soit 477 414,88 € toutes taxes comprises, en application de l'article 36 du décret numéro 2016-86 du 1er février 2016 relatif au contrat de concession permettant des modifications nécessaires du fait de circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait pas prévoir. Personne, évidemment, ni à Sodexo, ni la municipalité de l'époque n'avait prévu la pandémie et ses effets. Deuxièmement, de diminuer la dotation globale fixée contractuellement à 578 142 € hors taxes, à due concurrence du montant non collecté compte tenu de l'impact de la crise sur le nombre de repas commandés au titre de l'exercice 2019-2020. Le montant de la réduction de l'enveloppe globale et forfaitaire s'élevant à 28 756 € hors taxes, le nouveau montant de la dotation globale forfaitaire est donc de 549 386 €, de maintenir la tranche numéro 1 de la facturation du 1er septembre 2020. Il convient néanmoins de souligner en parallèle que la société Sodexo doit quant à elle verser à la commune la somme de 661 548,56 € en application de l'article 35.1 du contrat d'affermage au titre de la régularisation du montant définitif de la compensation des tarifs sociaux pour l'exercice 2009-2020. Le nombre de réels de repas servis ayant été moindre que le nombre de repas ayant servi de référence au versement des acomptes. Donc au bout du compte, la ville devrait plutôt être bénéficiaire de cette période difficile que nous avons tous traversée. Merci Michel. Des questions ? Monsieur Renard ? Oui, peut-être préciser que cet avenant a fait l'objet d'une négociation soigneuse que nous avons menée à plusieurs. Je remercie d'ailleurs l'ADASCO qui a beaucoup contribué à ça. Nous avons eu l'objectif de défendre l'intérêt de la commune, mais de prendre en compte aussi que pour la Sodexo et pour les salariés de la Sodexo, c'est aussi une aventure très difficile. Donc on a admis qu'il y ait des coûts de structure, hein, des dépenses qui soient conservées, et que bien sûr on tienne compte aussi de la diminution très importante du nombre de repas. Donc, sans rentrer dans les détails, parce que c'est complexe, ça a duré longtemps, nous versons habituellement des acomptes qu'on n'a pas diminués, tout ça, enfin, c'est une histoire compliquée. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons mené une négociation, je trouve, dans une bonne atmosphère, enfin, d'une bonne manière, et j'en remercie tout le monde et surtout les services. Nous sommes arrivés à un accord que nous estimons équilibré. En l'occurrence, il est quand même financièrement favorable à la commune. C'est la raison pour laquelle je pense que nous devons tous le voter. Merci. Sylvain, Michel, tu voulais... Oui, juste quelques mots sur le contexte de reprise des activités scolaires et donc de restauration dans ce contexte du deuxième confinement, différent du premier, puisqu'il y a la continuité du service public de l'école.
Nous pouvons nous satisfaire que les élèves ont retrouvé en masse le chemin de l'école et donc des cantines. Et évidemment, en conséquence, cela pose des problèmes, des difficultés aux services municipaux, puisque les contraintes sanitaires sont très fortes, contraintes sanitaires venant du ministère de l'Éducation nationale, qui oblige à interdire, empêcher tout brassage des enfants. Donc ça a pour effet de multiplier le nombre de services en cours de la pause méridienne. Donc c'est un surcroît de travail très important pour les agents. C'est aussi des contraintes dans la distribution des repas. Bref, première chose, première contrainte, et deuxième contrainte liée pour une part au retrait légitime de certains agents municipaux du fait de leur pathologie qui leur donne droit à ne plus être en présentiel. Et donc, je voudrais juste dire que les services ont fait un travail remarquable de redéploiement d'agents de différentes directions, jeunesse, sport, en direction de la du service scolaire. Et j'ai plutôt envie de dire que redéploiement, vu l'esprit qui règne aujourd'hui, la coopération. Et donc, je voudrais vraiment remercier tous les services qui se sont mobilisés encore ce matin à 11h pour faire le point, école par école, pour assurer la continuité du service public dans les meilleures conditions possibles. Merci. Merci, Michel. Voilà, on souscrit tous à tes propos de remercier les services, les parents d'élèves, parce que c'est pas facile pour eux, avec le port du masque, etc. Et évidemment, les enseignants dans ce contexte. Donc, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, délibération à l'unanimité. Merci, Michel. C'est encore toi. Attribution du marché public pour la mise en disposition de 30 places de crèche. Donc, c'est la reconduction d'un marché entre la ville de Corbeil-Essonnes et la crèche privée Calin Matin. Donc, je lis, le marché public concernant la mise à disposition de 30 places de crèche à la commune de Corbeil-Essonnes attribuée à la crèche privée Calin Matin arrive à son terme. Cette offre répondant aux besoins de la population, la commune souhaite reconduire ce marché pour une durée de 4 ans ferme. De plus, au vu des raisons techniques détaillées d'un notice explicatif figurant dans votre dossier, la passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable se justifie conformément à l'article R 2022-3, deuxième alinéa, j'imagine, du code de commande publique. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution du marché public précité à la société Calin Matin et d'autoriser Monsieur le maire à le signer. Merci Michel. Des remarques? Je voudrais juste donner justement au titre sur ce sujet quelques informations sur la capacité de la ville à répondre aux demandes des parents à placer leurs enfants dans des crèches. Je reviens uniquement sur l'année 2020. En 2020, 606 dossiers, donc des parents, des familles qui demandent des places, 606 dossiers ont été examinés par la commission. Et 124 places ont pu être attribuées dans les différentes structures, crèches municipales, crèches privées, dans le cadre de Calin Matin. Donc on voit que la commune est capable de répondre favorablement à 20% des demandes des familles. Et donc ça nous met devant nos responsabilités pour les années à venir, évidemment. On souhaiterait tous, je pense, augmenter ce pourcentage. Merci. Merci Michel pour cette transparence. Donc qui est... On a voté, non? Oui. Alors qui est contre? Qui s'abstient? Donc voté à l'unanimité. Merci Michel. C'est encore toi, Michel. La convention d'objectifs et de financement avec la CAF. Oui. Donc je lis et puis après je commenterai. La commune de Corbeil-Essonnes a signé avec la Caisse d'allocation familiale de l'Essonne des conventions d'objectifs et de financement pour bénéficier du versement d'une subvention de fonctionnement, la prestation de service unique, PSU. Cette subvention de fonctionnement finance à hauteur de 66% du prix de revient les services dispensés par les établissements d'accueil du jeune enfant. Des conventions... Oh pardon, j'allais vous lire tout le document, je préfère vous lire... C'est gentil. La note de présentation.
Voilà, donc les présentes, alors approbation des conventions d'objectifs et de financement 2020-2025 pour les structures de la petite enfance entre la commune de Corbeil-Essonne et la caisse d'allocation familiale de l'Essonne, prestation de services uniques incluant le bonus territoire CTG, ce qui veut dire tout de suite CTG, ça veut dire convention territoriale globale. Convention territoriale globale. C'est un nouveau dispositif qui se substitue à un ancien dispositif. Donc, la présente délibération, les présentes conventions définissent et encadrent les modalités d'intervention et de versement de la prestation de service unique pour les structures d'accueil de la petite enfance, en incluant le nouveau bonus territoire CTG, convention territoriale globale, qui prend le relais du contrat enfance-jeunesse pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les conventions d'objectifs et de financement devront être conclus avec la CAF de l'Essonne pour la période précitée et d'autoriser Monsieur le maire à les signer ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence. Très bien. Voilà. Je pense que c'est clair. Est-ce qu'il y a des remarques, chers amis ? Qui est c'est contre bon. Alors on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Tout le monde, merci. À l'unanimité. Merci. Dernier point, Michel, te concernant, l'approbation de la convention de mise à disposition à titre gratuit de bicyclettes au profit de la CE Cyclisme. Oui, c'est pas, ça ne va pas être Michel, c'est Rénal. Alors, des bicyclettes, ça parle à tout le monde. On en a grand besoin en ce moment. On en a trouvé. Il y a des trésors dans la ville de Corbeil-Essonnes. Il y en a beaucoup. Il y en avait notamment dans l'espace de Ville de Don. Lors d'une visite pour se rendre compte de la qualité de ce site, certains membres de l'équipe municipale ont eu la joie de découvrir 10 vélos. Ces 10 vélos, nous vous proposons de façon à favoriser la découverte, l'apprentissage, le perfectionnement et les compétitions dans le domaine du cyclisme, qui est très en vogue actuellement avec des plans savoir rouler. Et puis la période de confinement que nous vivons, on a vraiment un grand besoin de déplacement, de mobilité douce. Donc nous vous proposons, afin d'encourager ces activités en faveur des Corbeil-Essonnois, de l'association sportive de Corbeil-Essonnes Cyclisme, d'approuver une convention de mise à disposition à titre gratuit des 10 vélos du centre de Ville de Don au profit de la dite association, et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci. Y a-t-il des questions ? Pascal Prigent. Oui, parce que ces vélos, ils ont été trouvés là, mais ils n'y sont pas arrivés par hasard. Donc je pense qu'à une époque, quelqu'un les a achetés pour pouvoir les utiliser. Je trouve que c'est très dommage qu'à Ville-de-Don, il n'y ait pas de vélo. Et que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si avant, on a essayé de se renseigner sur pourquoi ils étaient là, visiblement sans être utilisés. Hein, voilà. Et parce qu'il ne faudrait pas qu'à l'avenir, d'autres personnes veuillent racheter des vélos parce qu'il n'y en a plus là-bas. Et que franchement, pas de vélo à Ville-de-Don, c'est vraiment dommage vu le site pour les enfants qu'ils fréquentent régulièrement. Question pertinente, alors, je réponds tout de suite ou je prends peut-être la question de Jean-Luc Raymond et puis Vas-y Jean-Luc. Pas. Oui, puisque nous parlons mobilité douce, pouvez-vous nous dire si vous comptez faire adhérer la commune au dispositif plan vélo et mobilité active qui a été mis en place par le gouvernement en 2018, je crois, et renforcé dernièrement. Par ailleurs, comptez-vous installer, et pouvez-vous nous préciser une date et des lieux précis, des stations Véligo dans notre ville ? Vas-y, Rénald. Alors, je réponds sur l'intervention de Pascal Prigent. Alors, effectivement, le centre de Ville-de-Don, si les vélos sont là, ce n'est pas par hasard. Il y avait un projet il y a de nombreuses années. Pour l'achat de vélos, en l'occurrence pas 10 vélos, hein, même plus d'une vingtaine de vélos. Malheureusement, dans l'intervalle, il y en a qui ont disparu. Donc voilà, qu'on comprenne, la municipalité précédente avait acquis plus de 20 vélos. C'est ça. Et quand vous êtes allé voir ce qui se passe à Ville-de-Don, vous en avez trouvé plus que 10. Il y en avait plus que 10. D'accord. Donc il y a déjà eu de la perte. Ensuite, actuellement, le centre de Ville-de-Don, malgré le potentiel qu'on a vu et qui saute aux yeux quand on visite ces lieux, il est clairement sous-exploité. Il n'y avait plus
d'utilisation de ces vélos. Ils étaient mis au placard. Malheureusement, comme certains, ça arrive à certaines personnes, ben là, c'est arrivé à du matériel. On peut sauver ce matériel rapidement. Et c'est ce qu'on va tâcher de faire. C'est pour ça, c'est le sens de la convention. Puisqu'on a un club de la SCE Cyclisme qui est partenaire de la ville, au même titre que les autres associations sportives de la ville, on le verra dans d'autres délibérations, on a vraiment un tissu associatif, au moins sur le mouvement sportif et d'autres culturels, etc., qui est un vrai point d'appui et qui s'est tout de suite, quand on l'a sollicité, pour dire est-ce que ça, on pourrait s'appuyer sur ce matériel si on vous le mettait à disposition, si on vous le prêtait sur une convention, est-ce que vous pourriez en faire quelque chose? Ça les a tout de suite intéressés. Donc, ça permet de ne pas perdre de temps là sur quelque chose, sur de l'existence, sur du matériel qui est là. Bien sûr que on va mettre en place, on a déjà commencé à le faire puisqu'il y a des balades qui ont été proposées, il y a des manifestations sportives type un championnat cyclocross qui était prévu. Donc on a déjà des partenariats en cours. Cet apport de matériel va permettre d'accompagner la dynamique, l'essor du club, la dynamique de la municipalité et l'approche du... des mobilités douces et de la réflexion qu'on a par rapport à la place du vélo dans notre ville. Donc ça permet d'avancer tout de suite là-dessus. Ce qui ne nous exonère absolument pas d'une réflexion quant au devenir du centre-ville de Don. Et j'ai envie de dire plus largement, la place du vélo, c'est pas 10 vélos qui vont révolutionner la chose. Donc on a nécessité aussi d'imaginer un plan d'investissement. On est aussi là-dessus, il y a des possibilités de subventionnement sur du matériel, du petit matériel. Donc en parallèle, on n'en parle pas ce soir, mais en parallèle, on ne se contente pas de mettre à disposition 10 vélos. On est sur quelque chose, un projet plus large. Donc voilà pour répondre. Merci. À Pascal. Peut-être Jacques ou Michel Juste avant que Jacques ne réponde, pour compléter ce que dit Rénal, avant de prendre notre décision, on a bien pris en compte que pour l'instant, Ville de Don accueille exclusivement des maternelles. Or, les vélos, c'est plutôt des vélos pour les CM1, CM2. Et c'est ça qui nous a permis d'envisager cette perspective. Et le club ASCE Cyclisme a signé, s'est intégré dans les projets pédagogiques que propose la ville et va faire des animations vélos dans tous les CM1 et CM2 des écoles de la ville, entre autres grâce à ces vélos. Voilà, donc ils vont être extrêmement utilisés dans les mois à venir. Merci Michel, précision utile. Jacques, peut-être sur la partie faire le porte-voix de ton ami et notre collègue Frédéric Piot sur nos ambitions en matière de mobilité. Absolument. Donc on a Frédéric Piot n'est pas là ce soir parce qu'il est en conseil d'administration. Donc on a commencé très sérieusement à se saisir de ce qui était déjà en place ou pas en place, surtout sur la question de développement de la politique du vélo et des mobilités douces. Donc nous avons pris contact avec l'agglomération. Donc c'est la compétence aujourd'hui et on a vu avec les services ici ce qui était déjà en tout cas dans les cartons, ce qui était essentiellement à l'état de plan. Et donc nous sommes en train de réfléchir très très sérieusement au développement sous différents angles, je ne vais pas le développer ce soir, ce n'est pas le sujet, la politique du vélo. Il est évident que les partenaires qu'on a cités ici seront des partenaires essentiels du développement de cette politique de mobilité douce sur la ville. On peut rajouter que... le travail est assez peu avancé, que nous allons mettre en place un dispositif de concertation et d'implication des acteurs extrêmement important, mais qui ne peut démarrer quand la crise Covid sera un petit peu atténuée, mais vous aurez dans cette enceinte à avoir assez rapidement des délibérations et des délibérations cadres, en tout cas sur cette politique que nous avons pris à bras le corps. Et donc, je n'ai pas de réponse aujourd'hui sur les stations Véligo, enfin, ça fait partie d'une politique globale. Il faut qu'on voit effectivement d'ailleurs en plus quelle est la politique de la région et quelle est sa visibilité à terme sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est qu'on a bien les plans de la ville, mais c'est à l'état de plan sur ce que l'agglomération avait proposé en termes de voies cyclables, de pistes cyclables. Mais on repart en travail avec une ambition beaucoup plus importante. Merci Jacques pour dire oui sur ces questions. Il y a des opportunités de l'agglomération, des opportunités du conseil départemental, du conseil régional et de l'État qui, à ce jour, n'ont pas été utilisées par la municipalité. Voilà. Sachez que nous sommes sacrément réveillés sur la question. Jacques en a dit un mot. Frédéric Piot travaille précisément dessus. Et on essaye de ne pas injurier l'avenir. Je donne un exemple parce qu'il faut à la fois plus de vélos, mais plus d'endroits où on puisse l'utiliser. Et donc, il n'était... sur le port Saint-Nicolas, l'ancienne municipalité avait prévu de ne pas partager l'espace privé
du port. Nous sommes en train de revisiter ce dossier. Il ne vous a pas échappé que sur une partie déjà des haies ont été coupées, qui présage, et ce fera l'objet d'un dialogue avec les habitants, les riverains, mais pas que, les berges de Seine appartiennent à tout le monde. Notre intention, c'est que du pont de Corbeil jusqu'au coude Rémonceau, on puisse être en bord de Seine et à pied et en vélo. Mais voilà, ça va prendre du temps. Mais vous voyez que ce qui se dessine avec AROPA et nos partenaires en bord de Seine, c'est qu'on puisse faire du vélo dans de beaucoup plus nombreux d'endroits dans la ville. Voilà, donc on est en train de travailler. Ça fera sûrement l'objet d'une délibération cadre à un moment donné. Mais ça a beaucoup à voir aussi avec les enjeux d'urbanisme, etc. Donc voilà, on avance de front avec tous les élus. Jacques. On peut rajouter simplement qu'on a posé des hypothèses assez audacieuses aussi dans le travail qu'on a fait avec Hélène sur le solo RT, dans lequel il y a un groupe de travail mobilité qui a, dans cette salle, très longuement travaillé. Et donc tout ça va déboucher à un horizon assez rapide, je pense. Voilà. Vas-y, encore un mot, Jean-Luc. Oui, juste pour les personnes qui nous regardent et qui ne le savent pas, de préciser que le dispositif Véligo, c'est de la location de vélos électriques mensuels, et que la moitié du montant de cette location peut être pris en charge par l'employeur au même titre que le coupon de carte orange. Donc c'est un dispositif qui peut intéresser beaucoup de Corbeil-Essonnois. Tout à fait. Il y a aussi la prime de la région et notre vendeur de vélos situé rue Saint-Spire. Vous pouvez aller voir, il y a des vélos électriques qui on peut bénéficier aussi de la prime de la région pour acquérir un vélo. Voilà, donc il s'agit pour nous de faire de la publicité. Merci Jean-Luc pour tout ce qui va dans le sens du vélo dans la ville. On n'a pas voté. Bon, non, on va y passer. Ben, je vous remercie pour ces échanges et ces informations. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc, adopté à l'unanimité. Merci. Merci, Reynald, d'avoir fait un petit tour avec Michel, la ville de Don. Martine Soivy, approbation de la convention de subvention 2020, fonds d'intervention régionale. Oui, alors l'Agence régionale de santé, dite ARS, d'Île-de-France, souhaite faciliter l'évolution de l'organisation ambulatoire et investir dans la prévention de proximité tout en visant la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Elle a donc établi 5 axes dans son projet de proximité 2018-2022 et nous allons, dans ce contexte-là, profiter d'une convention de subventionnement. Je rappelle que la ville de Corbeil a été classée par l'ARS zone d'intervention prioritaire. Ce n'est donc pas un désert médical, mais on a des difficultés. Et donc, dans ce subventionnement nous permettra de développer 4 axes dans la ville. Le premier, c'est parler de sexualité avec les enfants. Projet 2, favoriser l'accès aux soins pour les populations en situation de vulnérabilité. Projet 3, nutrition et santé bucco-dentaire. Projet 4, sport, santé et bien-être. Donc, il convient de voter pour la convention de subventionnement. La subvention s'élève pour 2020 à 33 400 euros. Donc, si vous êtes favorable au vote... Merci. Des remarques. C'est bon. Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Tout le monde est pour ? Merci à vous. Merci, Martine. On revient à Frédéric Bourges. Réforme du cycle de travail des brigades de nuit de la police municipale de la commune de Corbeil-Essonnes. Hervé, très bien. Hervé, vas-y. Parfait. La réforme du cycle de travail des brigades de nuit de la police municipale a été validée au comité technique du 25 septembre 2020. Ce nouveau cycle sera applicable à compter du 1er décembre 2020. L'actuel cycle de travail engendre une fatigue importante des agents, des demandes de mutation en augmentation et de grosses difficultés de recrutement. Le changement de cycle qui vous est proposé se décline comme suit, de 15h à 1h avec une prolongation de service jusqu'à 3h pour les policiers municipaux, de 19h à 5h sur le même cycle avec une prolongation de service jusqu'à 7h, créneau durant lequel deux ASVP, agents de surveillance de la voie publique, seront présents physiquement au poste afin d'assurer la permanence téléphonique et la gestion des alarmes. L'avantage pour la commune de Corbeil-Essonnes sera d'accroître les effectifs de policiers municipaux sur des créneaux horaires particulièrement sollicités. L'objectif étant d'obtenir à terme deux patrouilles de policiers municipaux de 15h à 19h.
Y a-t-il des questions ? Jean-Luc ? Oui, je me suis déjà exprimé sur le sujet lors du précédent conseil. Vous savez tous que je suis très attaché aux conditions de travail de notre police municipale et à la qualité de son service. C'est pourquoi je renouvelle auprès de M. Vourges ma question du dernier conseil, à savoir si vous avez avancé sur l'embauche de nouveaux policiers municipaux. Si oui, pouvez-vous nous communiquer un nombre ? Hervé doit pouvoir répondre. Oui, alors tout à fait. Actuellement, nous avons 21 policiers municipaux et d'ici la fin du mois de janvier, il y aura 3 nouveaux policiers, ce qui passera le total de l'effectif à 24. Voilà. Merci Frédéric. Oui, c'était Hervé. Juste pour peut-être compléter, c'était un peu dans la suite du précédent conseil et puis des discussions que nous avions eues. Je pense que d'abord, il faut noter que c'est encourageant qu'il y a une petite, il y a un bouger au sein de la police municipale avec à nouveau de l'attractivité. Donc ces modifications d'horaire visent aussi à conforter l'intérêt que peuvent avoir un certain nombre de personnes pour venir travailler au sein de la police municipale de Corbeil. Et donc à l'issue de cette période de janvier, on fera à nouveau le point pour pouvoir voir comment la définition des missions et d'aller peut-être plus loin dans ce que nous avions discuté déjà auparavant entre nous. Jean-Luc ? Oui, et je pense qu'il faudra inévitablement passer par une revalorisation de leur grille de salaire, puisque c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne trouve pas de policiers municipaux. Ce n'était pas la seule, mais ça peut en être une. En tout cas, voilà, il y en a 3 qui ont accepté de venir, voire pour certains, je crois, de revenir travailler dans notre commune. Hervé, on va le faire. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Tout le monde est pour ? Oui, merci. Merci Hervé d'avoir présenté cette note. Oscar Segura, nous allons parler culture. Oui, alors c'est juste une... On demande l'approbation de la convention de mise à disposition de la Commanderie Saint-Jean au profit de l'association La Société d'Art, donc pour l'organisation d'un vide atelier. Alors bon, déjà, on a regretté que, à cause du Covid, on ait dû annuler... le parcours d'artiste cette année, qui est un rendez-vous annuel très apprécié. Et donc là, il y a encore des incertitudes, mais en tout cas, on demande d'approuver cette convention. Dans le cadre du développement de la vie associative et culturelle à Corbeil-Essonne, le conseil municipal est invité à autoriser la mise à disposition à titre gratuit de la commanderie Saint-Jean du 4 au 8 décembre inclus, au profit de l'association La Société d'Art pour l'organisation d'un vide atelier qui aura lieu les 5 et 6 décembre prochain, et qui donc qu'on pourra le tenir, parce que la culture en a bien besoin en ces temps difficiles. Donc, y a-t-il des questions sur le sujet ? Non. Non ? Très bien. On peut passer au vote. Alors, qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci, tout le monde est pour. Merci, Oscar. Monsieur Jourdain. On reste dans la culture, alors. Sport et culture. Culture sportive, culture des activités physiques. Il s'agit d'une mise à disposition d'un local municipal au profit de l'association Yoga Inside. Comme son nom ne l'indique pas, il s'agit d'une association de yoga, avec une petite spécificité puisqu'elle propose ses services dans le cadre ses activités de bien-être à l'attention des entreprises prioritairement, et puis notamment les agents municipaux de la ville de Corbeil-Essonne en profitent. Donc c'est aussi l'objet de cette convention. Je vous la lis. Dans le cadre du développement de la vie associative à Corbeil-Essonne, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise à disposition à titre gratuit de la salle de danse qui se trouve à l'étage de l'école maternelle l'Indienne située au 24-26 avenue de Chantemerle à Corbeil-Essonne au profit de l'association Yoga Inside. Des remarques ? Y a-t-il des questions ? Oui. Belle, pour être zen, allez-y. Oui, donc il s'agit d'une salle de danse qui se trouve dans une école maternelle, je ne me trompe pas. C'est bien cela, c'est une magnifique salle de danse parquetée. Voilà, que nous connaissons au premier étage de cette Vous aviez fini ou pas
Jean-François, je n'ai pas terminé. Ah, excusez-moi, non, je croyais que c'était... Voilà, vous allez répondre à l'ensemble, si vous voulez bien. Donc la question, c'est donc dans un établissement scolaire. Et donc la mettre à disposition d'une association, bon, pourquoi pas, mais il me semble qu'il y a un certain nombre de questions à poser en termes, notamment de sécurité. Donc je vous rappelle que nous sommes en vigipirate renforcée. Et il me semble en tout cas c'est ce que je croyais savoir, que à l'intérieur d'une école, pendant le temps scolaire, seuls les enseignants et les personnels sont associés à l'enseignement avaient le droit de pénétrer dans l'école. Donc la question que je pose, puisque ça se passe pendant le temps scolaire, c'est est-ce que les choses ont changé, est-ce qu'on a le droit aujourd'hui de faire entrer dans l'école pendant le temps scolaire, donc en l'occurrence c'est midi 14h, c'est ça, est-ce qu'on a le droit de faire entrer des personnes étrangères au personnel et aux enseignants dans cette école? Et ma deuxième question est-ce que vous avez vérifié cette possibilité et l'accord potentiel de l'inspectrice départementale pour valider ce sujet? Merci. Alors, déjà, les horaires, c'est 12h15, 13h15, donc pour bien cadrer. Alors, à l'école l'Indienne, c'est bien une salle qui se situe dans un établissement scolaire, dans une école. Une belle salle, comme je commençais à vous répondre tout à l'heure. Ce créneau de 12h15 à 13h15 correspond à un temps périscolaire. Première remarque. Ensuite, les écoles, heureusement, sont ouvertes sur l'extérieur, ce ne sont pas des sanctuaires, et on a du monde qui vient sur le temps périscolaire, sur la pause méridienne, le midi. On a beaucoup d'associations qui œuvrent déjà aux activités des enfants sur ce temps, en relation avec la direction des affaires scolaires, en direction, comme vous l'avez demandé, avec l'inspectrice d'académie, et puis le conseiller pédagogique de circonscription. Donc tout ça, c'est travaillé en concertation. Et il n'y a pas du tout de contre-indication à ce fonctionnement sur le temps du midi et au fait que d'autres personnes que le personnel de l'établissement scolaire y soient présents. Donc c'est ça l'objet aussi de la convention. Voilà ce que je peux apporter comme élément. Merci Rénal. C'est bon, pas d'autres remarques? Qui s'abstient? Qui est contre? Tout le monde est pour? Merci, merci Rénal. Madame Louz. Attendez, normalement, c'est encore toi, le petit Louis, oui. C'est encore toi, oui. Rénal. Alors, cette fois-ci, mise à disposition, on reste un petit peu dans le même ordre d'idée, mise à disposition d'un local municipal au profit de l'association Mieux-Être. Je vous lis tout de suite la délibération. Dans le cadre du développement de la vie associative à Corbeil-Essonnes, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise à disposition à titre gratuit de la salle d'activité située dans le modulaire de la cour du centre de loisirs Le Petit Louis, 666 rue Saint-Spire à Corbeil-Essonnes, hors congé scolaire, au profit de l'association Mieux-Être. Donc là, si je vous présente l'association Mieux-Être, c'est une association qui propose des activités de yoga, sophrologie, gymnastique douce et des activités selon la méthode Feldenkrais. Voilà, c'est un local qu'on propose de mettre à leur disposition sur une durée d'un an, avec une possibilité de reconduire ce dispositif deux fois. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Juste, c'est le même esprit qui nous a animés lorsque nous avons trouvé les vélos, quand nous avons trouvé, pour nous, découvrir la salle de danse de l'Indienne et cette belle salle parquetée aussi au Petit Louis. Avec l'idée, l'esprit c'est quoi? Optimiser au maximum, dans un cadre évidemment contrôlé, maîtrisé, optimiser l'utilisation soit des salles municipales, soit des matériels municipaux. C'est le même esprit. Merci Michel. Je complète. Oui, moi aussi je remercie Michel. C'est vrai que c'est vraiment un état d'esprit qui nous anime. Et de toute façon, c'est incontournable au regard du déficit d'équipement sportif. On est bien obligé d'optimiser l'existant. La délégation, elle porte sur des activités physiques et du sport pour toutes et tous. On a la prétention d'accompagner vraiment la pratique
le sport sous toutes ses formes pour l'ensemble des Corbeil-Essonnoises et des Corbeil-Essonnois. On en a l'opportunité à condition d'aller vraiment chercher tout ce qui existe en parallèle de nos recherches, de les projets d'investissement sur du plus long terme avec la construction d'équipements sportifs. Voilà. Si, qui s'abstient, qui est contre, on est pour, merci. Dernière délibération, Sophia, Louz, une subvention exceptionnelle au profit de l'association des jeunes créateurs. Bonsoir. Afin de mener à bien ces activités, l'association de jeunes créateurs ayant pour objet la promotion de la création, ayant pour objet la promotion de la création sous toutes ses formes de la peinture urbaine, de l'éducation populaire et de la citoyenneté, a sollicité la ville pour une subvention exceptionnelle. Il est dès lors proposé au conseil municipal d'approuver le versement à cette association d'une subvention de 1 750 € exceptionnelle. Merci. Des questions ? Des questions ? C'est bon ? Qui s'abstient ? Alors, ça fait combien ? 6 toujours ? C'est ça ? 6, hein ? 6 abstentions. Qui est contre ? Qui est contre ? Personne. Tout le monde est pour, autrement, voilà. À part les 6. Merci à vous. Écoutez, il n'y avait pas de questions, en tout cas, nous n'en avons pas reçu. Merci. Le prochain conseil municipal aura lieu. Il y a deux questions ? Il y en a deux questions. Ah, il y a des questions ? Monsieur Bell ? Ah, d'accord, allez-y alors. Vas-y, vas-y, je te donne le micro. Vous lisez vos questions ? D'ailleurs, question, vous parliez de règlement intérieur, monsieur Raymond, on va recadrer les choses. Quand nous étions dans la minorité, si on avait le malheur d'envoyer les questions trop tard le jeudi soir, on ne les prenait pas. Vos questions nous sont arrivées samedi, monsieur Bell. Donc, samedi. Donc, là, on est brave, on répond, mais... on cadrera un peu les choses de sorte qu'il faut laisser le temps aux élus et au personnel de travailler le week-end pour répondre à vos questions. Vous les lisez ? Allez-y. Oui. Donc oui, vous avez... Et on vous donne un micro qui marche, qui alors, fonctionne. Oui, ça ne marchait plus. Attends, merci. Bien, donc je vous remercie d'avoir pris en compte ces questions. Donc à partir de maintenant, donc j'en déduis que c'est jeudi soir maximum. Ça c'était, je crois, l'avis d'avant. Pour l'instant, oui. J'avais compris 2 jours avant maximum. Appliquez-vous ce que vous nous aviez demandé et puis on aura un débat sur... Ça ne pose pas de problème. Bien, première question... Donc, monsieur le maire, par convention du 26 juin 2020, la commune de Corbeil-Essonnes a mis à disposition de madame Isabelle Mongabur un cabinet dans l'antenne du centre municipal de santé de Montconseil pour exercer son activité professionnelle de psychomotricienne. Pour cela, elle a quitté, sur invitation de la ville, le groupement médical qu'elle occupait auparavant sur la commune de Lys, sans possibilité de retour. Depuis son installation, Madame Mongabur a fait part de nombreuses observations sur ce qui lui apparaît comme un défaut du système de contrôle d'entrée des locaux de Montconseil auprès des services et de votre cabinet. Elle s'est manifestée notamment sur l'impossibilité d'abandonner, ne serait-ce qu'un instant, ses patients, enfants en difficulté, souvent autistes, pour gérer les entrées et sorties du centre de santé de Montconseil. Par votre lettre recommandée avec AR du 7 octobre 2020, vous avez signifié à Madame Mongabur la résiliation sous 2 mois de son bail de location sans motif énoncé. Y a-t-il une relation de cause à effet
entre les réclamations non satisfaites de Mme Montgabur et la résiliation du bail que vous avez ordonné? Deuxième question, alors que les besoins en praticiens de santé et notamment en psychomotriciens sont avérés sur notre commune et que l'accueil d'enfants en situation de handicap dans les écoles communales nécessite la présence de psychomotriciens sur la ville, pourquoi ne recherche-t-on pas une solution technique à cette situation? Merci. Alors, Monsieur Bell, quand on prend la défense de quelqu'un uniquement sur la base de ce qu'elle dit, on prend forcément des risques. D'abord, je vous aurais invité à ne pas citer le nom de la personne, parce que la situation n'est pas aussi idyllique que vous la présentez. Effectivement, il y a eu une convention signée le 26 juin 2020, avec un état des lieux le 22 septembre 2020. La personne dont vous parlez paye un loyer de 168,90 € par mois, ce qui constitue déjà une condition très confortable d'exercice. La fin du contrat, qui est autorisée en page 9 de la convention qui a été signée, permet à la municipalité de mettre fin au bail directement, sans qu'il y ait de délai. Une lettre recommandée a effectivement été adressée à cette psychomotricienne et elle avait jusqu'au 8 décembre 2020 pour pouvoir prendre ses dispositions. J'ai reçu cette personne, d'accord, et il lui a été proposé des solutions de recherche pour effectivement qu'elle trouve un autre local, ce qu'elle ne vous a pas dit. Elle nous a signifié qu'elle cherchait d'autres solutions et nous a demandé de l'aider à payer son loyer, ce qui bien sûr est impossible pour nous, puisqu'on n'a pas à aider à payer le loyer de gens qui sont des libéraux et qui prennent le risque, effectivement, non pas de quitter une ville en étant invité par une autre, mais en quittant une ville pour les mêmes raisons que je vais vous signaler maintenant. Cette personne, bien sûr, a eu des difficultés dans son installation, mais le centre de santé a eu beaucoup plus de difficultés à faire comprendre à cette personne qu'elle était conventionnée, que son bail concernait un seul cabinet et non pas l'ensemble du centre municipal de santé ou son annexe. Donc il y a eu effectivement beaucoup de temps passé par la directrice du centre municipal et par le directeur du service santé sociale, que je remercie de leur patience, parce que c'est une personne extrêmement difficile, qui a une très haute idée de sa personne et qui a été même y compris menaçante à mon égard. Donc voilà, nos propositions d'aide tiennent toujours et je pense que nous avons fait le nécessaire pour que cette personne puisse obtenir satisfaction dans de bonnes conditions. Je conclurai qu'une chose, hein, c'est qu'effectivement on manque peut-être de psychomotriciens, mais parfois il vaut mieux être seul que mal accompagné. Allez-y, Monsieur Bell. Très bien, donc cette réponse fera partie du compte-rendu, j'imagine. La seconde question concerne le jardin public dont nous parlions sur la montagne d'Aiglaise. Monsieur le maire, dans le cadre de l'aménagement de la ZAC, je voulais juste dire que je pose des questions assez factuellement, là en l'occurrence je n'attends pas de polémique particulière. Monsieur le maire, dans le cadre de l'aménagement de la ZAC de la montagne d'Aiglaise, dans Grand Paris Aménagement doit réaliser un jardin public dans la continuité de la résidence senior Domitis à l'angle de la rue Labruyère et de l'avenue Serge Dassault. Ce terrain doit également permettre d'organiser la rétention des eaux de ruissellement du secteur. Lors des réunions de travail préparatoire, les responsables de Grand Paris Aménagement avaient déclaré que ce jardin ne pouvait être aménagé immédiatement car le terrain d'assiette devait servir de base vie en vue de la construction des différents immeubles restant à édifier. Toutefois, si une autre base vie leur était proposée, pour être complet, ils pouvaient édifier le jardin sans délai. Or, depuis cette époque, ce terrain est resté et demeure totalement inutilisé par Grand Paris Aménagement. Compte tenu de cette inutilisation comme base vie, il nous paraît important de réaliser au plus vite ce jardin au profit des habitants du quartier et plus particulièrement de la centaine
de personnes âgées de la résidence senior Domitys à qui ce jardin avait été promis et qui manque cruellement dans un quartier en pente, peu accessible, où la promenade est vraiment difficile pour les personnes à mobilité réduite. Ma question est donc, pouvez-vous faire le point sur ce dossier avec Grand Paris Aménagement et inviter cet aménageur à accélérer cette réalisation pour une ouverture au printemps 2021, ce qui serait idéal. Merci. Alors, le calendrier de la ZAC prévoit au titre du dernier avenant numéro 6 un achèvement des travaux le 31 décembre 2024. L'aménagement du parc public est prévu à partir de 2023. Effectivement, aujourd'hui, il ne sert pas, comme prévu au départ, de base de vie pour le matériel de chantier. Mais il reste à venir 4 constructions encore, donc 2 dont on a parlé tout à l'heure, les lots 10N et 10S et les lots 7N et 7E. Ceux-ci sont situés en partie basse de la ZAC et donc le parc servira à ce moment-là de base de vie pour les 4 chantiers à venir. Donc en fait, on ne peut pas pour l'instant réutiliser ce parc et surtout on ne peut pas aller plus vite que le calendrier que la ZAC pour laquelle qu'il est prévu. Mais pour autant, il y a des réunions mensuelles, enfin des réunions régulières, pardon, avec l'aménageur. Donc il est vrai qu'on peut reposer la question de savoir ce qu'il est possible de faire. Écoutez, on en a terminé. Merci à vous, en tout cas. Le prochain conseil municipal devrait avoir lieu le lundi 14 décembre. Dans notre esprit, toujours 18h30, mais on discutera. On a été réunis 3 heures ce soir. Donc voilà, commencer à la bonne heure et finir à la bonne heure. Merci à vous. Je remercie les personnels qui permettent la retransmission de nos débats, qui sont très appréciés des habitants. Donnez le rendez-vous de demain où le dialogue direct avec les habitants continuera de 18h30 à 19h30 avec demain Frédéric Bourges et le directeur général des services et jeudi un autre rendez-vous. Et je vous remercie le personnel communal pour leur travail à nos côtés. Bonne soirée à vous.